Purée, vous êtes motivé. Je ne suis pas prête, hein. Ma santé n'est pas assez rétablie pour gérer un amphithéâtre de 300 personnes. Comment on va s'en sortir? Comment on va faire? Coucou! Comment vous allez? Moi, je vais mieux. Je vais mieux. J'ai plus de fièvre et je tousse encore. J'ai le nez bouché, mais c'est rien de méchant. Enfin, genre, il n'y a plus les gros symptômes. Genre, surtout fièvre, en fait. Hein. Hier et avant-hier, j'ai fait que pioncer par intermédiaire. J'étais au bout de ma vie. Là, il reste une voix rauque. Rauque et sexy, tu vois. Merci Sandrine pour ton rissam et merci Mawatel. Oui, motivation. Motivation de ouf. Et merci Ailera pour ton rissam également. Oui, il y a pas... Et merci Ludovic Bar pour ton rissam aussi. Ouais, samedi, il n'y a pas eu de stream, j'étais trop mal. Vendredi, pareil. J'avais de la fièvre. J'étais pas en état de... J'aurais pu, mais j'aurais été dans un état pas possible. Donc, j'ai préféré ne pas forcer. Vous avez fait venir le train, vous êtes trop mignon. Merci beaucoup. Vous m'avez manqué, hein. Je suis pas encore en état de tourner, je me réserve jusqu'à demain pour tourner la prochaine vidéo. Parce que là aujourd'hui j'ai encore la voix beaucoup trop rauque, on va dire, et l'énergie encore fluctuante. Mais stream, je peux gérer. Je suis pas allée chez le médecin, non, il n'y avait pas de place avant le 9 mars, donc. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Ah, j'imagine Manon, j'imagine. Courage. Après, tu peux toujours annuler des devoirs hein, si tu veux. Oh, j'ai eu peur. Merci, Massila. Vous êtes motivée. Ben, j'espère bien, puisque actuellement. Alors, attends. Je range mon truc habituel. Il y a 34 demandes de devoirs. Voilà. Donc, vous êtes motivée. Hein? Vous êtes à. Oula! 36. Non, mais oui, non, mais vous êtes très en forme. Hein? Oula, là, que c'est motivé tout ça. Oui, ça fait beaucoup. Et j'ai fait un stream exprès lundi ou mardi, je ne sais plus, pour désengorger un peu. Hein? Sinon, on aurait 56. Du coup, voilà, c'est. Merci Junette qui offre un sabbat chouchou. Oh, c'est gentil ça. Oh, chouchou sera très heureux. 36 et c'est pas fini. Ah bah non. Merci Lizounet. Oh là là, mes modos sont de tels médecins. Mercredi, merci. Merci pour le guide. Donc c'était vraiment pas longtemps. Tellement de gens veulent tellement de devoirs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, je finis pas les miens. Ah bah bravo Edonor. Bravo Edonor. Merci pour le follow, Mao. Alors écoutez, bah, je propose qu'on attaque, hein, parce que bah, il faudrait bien commencer. Donc Titi, je ne sais pas si c'est toi qui ne peux pas être là jusqu'après. Parce que j'ai écrit du coup, qui c'est qui a écrit? Parce que, mais en tout cas, il y a un modo qui sera plus là après, donc. C'est mignon. Moi j'ai commencé la passeuse de mots tome 2. J'adore, je suis presque à 30%, j'ai commencé tout à l'heure. Je l'ai dévoré, hein, je ne l'ai pas lâché depuis le déjeuner. Oh, Lisounet. Oui, c'est vrai, ce qu'il y a. Mais il n'y en a pas eu la semaine dernière, c'est pour ça. Salut, univers de Lulu. Eh ben écoutez, on commence, qu'en dites-vous? Je bois un peu. T'as vu, Junette, j'avais dit. Hop. J'adore, j'adore pour l'instant. Même si j'ai envie de frapper un perso, mais... Non, non, je suis à 30% du tome de Vic. Ouais, je savais, Mouna. Je savais. Exactement, Pripri. Quand faut y aller, faut y aller. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez bien? Mais elle est pas con-con du tout, Uju. Et Prospérine, c'est trop cool, Manon. Ouais, je le démonte, ouais. Mais il est trop bien. Oh, Floffle. C'est mignon. Ça fait plaisir de te voir, Floffle. Bonne idée, Lisande, tu es drôle. Ce garçon est drôle, hein. Non, mais il a des défauts, mais il est drôle. C'est ça aussi qui a fait que je l'ai recruté, hein. Pas que, pas que. Merci pour le follow, Maryse. Alors, tu vas avoir du travail. Effectivement, effectivement. Alors, on commence par Mini Kiwi. Bonjour, je ne suis pas sûre d'être présente pour le stream, du coup, je prends les devants pour mon premier devoir de lecture. Bon stream à tous. Et le pseudo doit être celui-ci. Parce que le pseudo n'est pas indiqué. Alors, il y a deux choses que je veux vous préciser. Mais Gaïa, mais Titi, mais merci beaucoup. Attends, attends, je vous précise les deux choses après, rappelez-le-moi. Titi, du coup, qui offre 5 subs pour Kailina, Camomille, Couette Couette, Sky, Pearl, Aqua et Amandine Trott. Et Gaïa qui offre 5 subs pour Romsteak, Pandifleury, Oluna, Ninalpink et Ipso. Vous avez fait une synchro, les gars. C'était incroyable, merci. J'ai très envie de crier à cet instant, vraiment, de plaisir et de joie sincère, mais genre juste ma voix ne le permet pas. Donc sachez que ma joie est sincère, voilà. Sachez que ma joie est un peu proche de l'hystérie d'avoir vu les trucs, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup. Du coup, j'ai deux choses à vous rappeler pour les devoirs. Première chose, quand vous demandez des devoirs, donnez bien votre pseudo livre addict dans votre demande de contrepartie. Impératif. Deuxième chose, précisez dans votre message si vous avez déjà terminé vos devoirs précédents. Je le dis parce que là, Manouchka, t'as une modo qui a dû les vérifier elle-même sur ton profil livre addict où t'en étais par rapport à ta dernière ligne. C'est pas à eux de faire ça. Donc, ou vous rendez vos devoirs petit à petit sur le serveur Discord dans le salon devoir à votre rythme ou tout d'un coup ou petit à petit comme vous voulez, mais en tout cas vous tenez au courant par là. Ou alors vous le faites sur Twitch, directement dans la contrepartie, mais vous le dites. Parce que c'est chiant pour les modos de devoir taper eux-mêmes votre pseudo et d'aller vérifier eux-mêmes. Voilà, donc si vous pouvez préciser à chaque fois dans vos demandes où vous en êtes, ça serait un gros gain de temps pour eux et pour moi du coup aussi par la même logique. Voilà, c'était les précisions. Voilà, le travail administratif est important. J'ai oublié... Oh, merci Lisounet pour le train de marchandises. Merci beaucoup. Vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Oh là là. Vous êtes incroyable. Hop. Mais non, mais c'est pas grave, Floffel. En vrai, je fais la précision parce que je ne l'avais pas demandé. Donc je le demande maintenant. Pour les prochaines fois, on va dire. Je verrai, Juliette. Ah oui, non, mais j'aime bien parce que les modos sont en mode « Vous seriez des petits choux en sucre !» Moi, je suis en mode « Faites-le !» C'est vrai. C'est... Il n'y a pas les mêmes... Ceux qui sont en mode « Oh, bah quand même, ça serait vraiment super mignon hein. !» Moi, c'est en mode « Allez !» Ça va, hein. Ça va 5 minutes, hein. Ça va. Non, mais attends, ouais, c'est normal. C'est pas eux de se faire chier non plus, tu vois. Surtout que vous, ça vous prend pas longtemps. Vous savez, vous, techniquement. Oh là là, Junette qui offre des subs à Tintintin. Merlifique. Merlifique. Mirlifique. Ah, c'est beau, Lisounet. Incroyable. Merci Pichimana pour ton sub également. Oh là 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 là, mais vous êtes pas possible. Merci beaucoup. Alors, on commence avec Mini Kiwi. 38 demandes. Oui, bah c'est ça. Bah oui, mais j'explique, je parle et puis du coup le temps passe et du coup les demandes aussi. Donc non, mais c'est pas grave. Je vais faire ce que je peux hein. Alors, mirlifique existe. Le mot mirlifique, attends. Attends, faut que je sache taper. Mirlifique. Voilà. Mirifique. Qui est comme une fleur merveilleuse. Voilà. Non mais mirlifique existe aussi. Et c'est devenu mirifique. Mais de base, c'est mirlifique. Ah, je suis ravie de vous apprendre des trucs. Hein. Je suis mirifique. Oh, vous êtes tous mirlifiques. Et moi, je préfère dire la version d'avant. Parce que je l'avais apprise mirlifique, je sais plus dans un film, et ça m'est resté. Du coup, je dis mirlifique. Voilà. Qui est comme une fleur merveilleuse. Vous êtes mirlifique. Mais Lisounet, mais... Non, mais ne sois pas jaloux de notre culture, Lisounet. Allez, on commence avec Mini Kiwi, qui est en train de lire l'intégrale de Narnia. C'est beau. Elle en est où, Mini Kiwi? Ah bah, c'est ses premiers devoirs, merveilleux. C'est sûr que c'est ses premiers devoirs? Mais je crois qu'elle n'avait pas donné son pseudo. Ah, si, elle le dit, pour ses premiers devoirs de lecture. Parfait. Oh, ça m'étonne pas, Milana. C'est avec le capitaine? Je me rappelle plus le tome 5. Alors, qui c'est que j'ai au début? Titi et Lisounet. Ah ben, j'ai mes deux... les modos qui s'enjaillent. J'ai les deux modos les plus rapides au début. Ok. Et Titi, tu dois partir après. Oh, Titi, tu m'abandonnes. Ok, donc au début, je peux bombarder. Donc, on a beaucoup de mangas. On a quasi que du manga avec un peu... Oh, des beaux livres. Merci Dracolos pour ton reprime, c'est adorable. 29e mois quand même. Eh ben on va mettre masse de manga, j'ai envie de dire. Hein. On va bombarder, hein. On va bombarder de ouf. Hein. Oh, il y a des bonnes choses. Attends, je suis encore pas rangée en titre. Pourquoi ça se classe automatiquement en achat chronologique? Ça me courrousse, hein. Oh, non mais quand même. À part, ma demande a été prise car je l'ai fait avant le stream. Malin. Oui, oui, je la vois ta demande, Floffel. Oh là 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 là. Ce chouchou que vous m'avez fait. Incroyable. Alors, eh ben, on va y aller, hein. Salut, belle. Ah, j'avoue, si là. Case 1. Vampire Knight. Mémoire, tome 1 et 2.
Alors là, il y a deux trucs de Tokyo en avril et Tokyo 4 saisons, donc je sais pas si c'est exactement la même chose. Case 2, Tokyo en avril, tome 1 et 2. Ah, il y a une liste spéciale de voir. Oh, mais je vais toutes mettre là! Pourquoi je dis, bon. Quand même! Bon, bah alors je te mets toute ta liste spéciale de voir. Non, mais attends, non, mais attends, attends, attends. Pourquoi je peux pas mettre l'autre là? C'est triste! Je peux pas mettre ma Vampire Knight! Non, pas mettre 59. Ok, d'accord. Bon, à la place de Vampire Knight, tu me mets s'il te plaît l'Eden des sorcières, tome 2 et 3. En case 2, tu me mets La sorcière aux champignons, tome 2 et 3. Oui, non, mais j'aurais pas mis les 59 mangas quand même. Ah, ok, Miniki, oui, je comprends. Je t'ajoute en case 3, Tokyo en avril, tome 1 et 2. Ah, belle. Alors, je suis désolée, je vais décaler un peu. Titi. L'Éden des sorcières, s'il te plaît, tu me l'ajoutes en case 3. Non, 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 attends. En case 4. L'Éden des sorcières, tome 2 et 3, passe en case 4. En case 1, tu me mets Fairy Tail, tome 2 à 4. Ah non, c'est pas les mêmes. Tome 1 et 2. Fairy Tail, 100 ans quest, là, tome 1 et 2. Fairy Tales 100 ans, 100 Years Quest, tome 1 et 2. Oui, quelle est ta question, Leïla? Et dans la case 3, Fairy Tales 100 ans, Years Quest, tome 3 et 4. Voilà, comme ça, tout Fairy Tail, il est casé, mais ils sont un peu séparés, tu vois. You're bilingual. Ah, totally, totally. Totally bilingual. À 100%, hein. Je te mets en case 2 Kenen, tome 1 et 2. Et en case 3, Kenen, tome 3 et 4. Tu vois, pour que ce soit en quinconce. Ah non, en case 4, pardon Titi, c'est moi qui n'ai pas dû, j'ai dû bugger. En case 4, Kenen. Comme ça fait Fairy Tail en case 1 et en case 3, et Kenen en case 2 et en case 4. C'est bon, nickel. Maintenant, vous allez me dire, Thibou, la case 1 est fort courte. Certes, Totally, c'est pour ça que j'ajoute Merveilles et légendes de Brocéliande. Salut, Yukaiman! Junette, tu es malin. Maline. T'es passé, toi? Je t'ai même pas vu ton pseudo. Ah bah oui. Et j'ajoute dans la case 1 également Your Dream. C'est pas obligé de faire des retours au Kyriel. Tout ce qui est demandé, c'est de prévenir quand vous avez terminé, en fait. Au moins. Genre, par exemple, imaginons, là, tu prends des devoirs aujourd'hui et tu les termines dans 3 semaines, mais tu veux pas installer Discord ou tu veux pas faire des retours. Avant de redemander des devoirs, enfin en les redemandant donc dans 3 semaines, tu dans ton message de contrepartie, t'écris ton pseudo et tu dis j'ai terminé tous mes devoirs ou alors il ne me reste que ça et comme ça les modos peuvent cleaner le tableau. Tu vois ce que je veux dire? On est bon. Est-ce qu'il reste quelque chose qui n'est pas passé? Oh bah oui, Golden Sparkle. Et ben en case 4, je mets Golden Sparkle. On va pas le laisser tout seul. Quand même, on a un cœur ici. Hein. Et on va ajouter en case 2 des hommes et des animaux et des hommes. Voilà. Golden Sparkle, oui. En même temps, ça se prononce comme ça, Golden Sparkle? Ouais, mais avec plus, moins de syllabes qui traînent, quoi. Et c'est bon pour toi. J'ai mis l'intégralité de ta liste, mais c'est une petite liste. Faut bien commencer. Nini Dream, coucou Thibou, je reviens demander des devoirs avec grand plaisir. J'ai galéré à trouver quoi lire sans toi. Je t'ai laissé un petit message sur Livradic. Mon pseudo, c'est Nini Dream 07.
Allons-y, allons-o. Hop. Coucou Thibaut, aujourd'hui je t'ai préparé une liste. Tu peux donc choisir ce que tu veux dans cette liste. J'ai pris le temps de calculer mon temps de lecture et je suis à 5 heures par jour au minimum. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, je te fais confiance et je te laisse choisir. Merci pour tout, je t'adore. Prends bien soin de toi, gros bisous. Merci Modo aussi d'être là pour t'aider et aussi pour nous. J'avoue que ces derniers jours, j'ai fait pareil, cela dit. Ah oui, on bombarde, hein. Mais elle m'a fait une liste, elle a dit. Alors des fois, les listes, autant des fois les listes, ça m'arrange, autant des fois, vous me cloisonnez, hein. Des fois, ça dépend ce que c'est dans la liste, tu vois. Ouais, ça va. J'ai vu ça, c'est bon, ça va. Non, parce que si, mettons, elle m'avait mis une liste avec 14 tout petits livres, bon. Non, tu vois. C'est. Voilà. Alors, voyons, 14 livres divisé par 4. Oh, c'est un peu exagéré, peut-être pas tous les mettre quand même. Ok. Ah, parce qu'il y a trois rêves là. C'est bizarre parce qu'ils sont séparés dans la liste, les trucs. C'est assez chelou. Ok, alors case 1, je te mets trois rêves, tome 1. Oh, stylé l'univers de Lulu. En hardcover? C'est pour ça un truc de cul. En vrai, tu veux dire en toc-toc, quoi. Trois rêves, tome 1, avec la passeuse de mots. Dans la même case. Pardon, les unets. J'aurais dû préciser. Ouais, mais 14 livres, ça fait un peu, tu sais, genre, ça fait un peu genre, je limite, tu vois. C'est vrai, ouais, tel, c'est vrai. Ouais, mais on va dire que 5 heures, t'abats quand même un peu, tu vois. 5 heures, c'est pas 20 minutes. C'est quoi cette couve du prince captif? Eh bien, c'est cette couve-là. Si ça te parle plus. En case 2. Alors du coup, t'as commencé trois rêves. Parce que t'as plein de Nora Roberts, hein. Il y a une passion là, hein. En case 2, je te mets... Attends, trois rêves, t'as le tome 1 quelque part. Oui. Ah, mais est-ce que je te fais commencer une saga? Qu'est-ce que tu préfères, Nini Dream? Est-ce que tu préfères croiser tes sagas de Nora Roberts ou d'abord en finir une? Dis-moi. Parce que là, t'en as une chier de Nora Roberts, hein. Tu nages dans le Nora Roberts, hein. Mais il y en a plusieurs des couvertures, les enfants. Qu'est-ce qui vous traumatise à ce point? Mais non, elle est pas noire, par contre. Moi, mon exemplaire, il est pas, elles sont pas noires, les couvertures. Parce que là... Croiser, c'est bien. Ok, très bien. Dans ce cas-là, elle a trois rêves, tome 1. Dans la case 2, on lui met les trois clés, tome 1. Encore de Nora Roberts. Avec Prince captif, l'intégrale. Et tu me lis les deux tomes, hein. Mawapi, comment tu vas, ma toute belle? Après, Marie, si tu veux les annuler, tu peux, hein. En case 3, on va repartir sur Nora Roberts, qui est un peu notre valeur sûre, hein. Partons sur donc 3 rêves, tome 2. Il y a les trois dans celui-là. Eh ben les trois. Ça fera plus de lecture. Enfin, au bout d'un moment, hein, il faut occuper. Hein, il faut vous occuper. Vous lisez trop vite. Voilà. Et je te mets dans la même case que Trois rêves, tome 2, Le secret des fleurs intégrale de Nora Roberts. Merci Gaïa! Bientôt 30 mois d'abonnement. Demain, j'attrape une grosse semaine de boulot, donc je profite avec vous de mon dernier jour de repos. Oui, t'es trop mignonne. Merci, ma toute belle. Oh, stylé, Leïla. Dans la dernière case, on part sur les trois clés, tome 2. Qu'elle a, hein? Oui, elles sont là, très bien. Avec la communauté du Sud, tome 1 et 2. Oui, les deux. Bah, c'est en même temps, ils sont liés, donc c'est pas moi. Hein. Oh, pas mal, poudre d'étoile. Ce qui fait que dans chaque case, il y a un Nora Roberts et un autre. Pas mal. C'est bon pour toi, Nini. X belle X. Où elle en est? Reste un devoir. Parfait.
Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Coucou Thibaut, ça fait super longtemps que je n'avais pas pris de devoir. J'aime trop ta petite pépé mignonne. Faute d'être en première année licence de lettres, donc j'ai hâte de reprendre les lectures personnelles. Fais-toi plaisir, tu as un large choix. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu iras mieux d'ici quelques jours. Continue à nous faire rire et sourire avec ta bonne humeur, et merci pour ces moments, mais t'es trop chou. Ah oui, alors là, par exemple, j'aurais bien voulu une liste. C'est une longue pâle. Mais ah, non, mais en vrai, moi ça me dérange pas, hein. Je pioche. Je pioche à fond, hein. Case 2, Blackwater, tome 1. Avec Chronique lunaire, tome 2. Ça, c'est la case 2. Non, ça m'inspire pas. Oh, t'as beaucoup de Conan. T'as une chier de comment? Oh, Cruelle Diablesse, t'as lu ceux d'avant? Je sais pas si elle est encore là, XBLX. Oui, tu es là, merveilleux. Est-ce que t'as lu ceux d'avant? Parce qu'encore une fois, je rappelle que la saga de Serena Valentino, c'est dans l'ordre, hein. Non, du tout. Tu l'as dans le baba. C'est con, hein? Oh, un petit king, ça pourrait être sympa, ça. On va passer par la fin pour voir un petit peu. Il y a du manga. Ah, il y a pas mal de mangas. Alors attends, le truc, c'est que j'aimerais bien choper. Il y a trop de choses intéressantes. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Moriarty, très bien. En case 1, Moriarty, tome 5 et 6. J'ai vu, Junette. En case 2, My Home Hero, tome 1 et 2. En case 1, Neil, tome 2. On va mettre un petit Disney. Ah, mais tu les as. Attends, tu les as dans le désordre du coup. T'en es à où du coup dans cette saga, Belle? Parce que là, je vois que t'en as un autre. Ils sont pas rangés dans l'ordre. Comme en fait, les titres sont très différents. À chaque fois, dans les pales, c'est le bordel. Donc j'avais repéré. Ah, c'est ça. Ok, donc tu commences directement là. En case 3, je te mets Red Dragon, tome 2 et 3. T'as pas commencé. Ok, d'accord. En case 4, Seraph of the End, tome 21 à 23. Je t'en mets un de plus, mais t'en as 3. On va pas en laisser un tout seul, hein. Ah, bon, là, ça sera pour la prochaine. Attends, oh, t'en as une chier, cela dit, hein. Oh, j'ai commencé cette saga, c'est super cool. Stéphane, c'est pas le premier? Si, c'est le premier. Je te mets en case 3, U4, donc U4, 2 points, Stéphane. Je l'ai en livre audio en cours. Oh, lui, il est cool! En case 4, je vais te mettre un joyeux non-anniversaire. Il est vraiment cool, je l'ai terminé il y a peu, vous l'aurez dans le prochain update, il est hyper cool. Alors, mais attends, mais tu l'as, Miroir Miroir? T'as le Jules à finir. Attends, c'est quoi le devoir qui te reste d'avant? Je trouve pas. Parce que ça, c'est le tome 2, donc en vrai, si tu as Miroir Miroir, je pourrais te le foutre, mais. Oh, la faucheuse! Ah, t'as Jules d'avant. Ok. Tu sais que t'arrives à avoir un exploit, c'est-à-dire que t'as toute la saga de Serena Valentino à part le tome 1. Non, mais c'est quand même à ce stade. C'est un don un peu, hein. Attends. Non, non, elle, non. Les étranges sœurs, non. Il va bien être quelque part. Les trois mousquetaires. Du manga, c'est pas ce que je. Mais non, elle l'a pas. C'est fou! C'est fou! Tu les as tous sauf le 1! Tu crois que tu l'as lu? Mais t'es pas sûr. Attends, moi je vais aller enquêter, hein. Je vais aller enquêter, écoute. M. 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 Non mais écoute, j'ai un peu de temps. C'est pas comme s'il n'y avait pas 38 demandes. C'est pas un problème. Ah, oh, Magus of the Library, faut que. Ah, mais tu l'as lu, très bien, on t'a mis 12. Non, c'est peut-être ma note. Ok, alors attends, on va te remettre. Il faut que je retrouve le tome 2 maintenant. Putain, je suis con, j'aurais dû cliquer dessus. C'était quoi le nom du 2, vous vous souvenez?
Avec la tête de la bête dessus. Je crois qu'il était là. Ouais, elle est là. Très bien, on va avancer avec ça. J'ai largement de quoi faire. D'ailleurs, j'ai plus de place, en fait. bon. Eh bah, tu vas être une élue. Hein? Écoute, une petite élue. Une élue nounette. Qu'est-ce que t'en penses, XBLX? Non, parce que t'as des sagas à continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, je te vire des trucs. Bon, en tout cas, case 1, je t'ajoute l'histoire de la bête. C'est un tome 2. Il est petit. Non, en vrai, si je te rajoute que ça compte pas en élu. Il fait 200 pages. Ce qui me titille, c'est ça et ça. Bon, ça, c'est bon, du coup. Ouais, il y a deux livres qu'il faudrait que je te rajoute, quoi. Alors, ce qu'on va faire. Non, je vais pas te faire une élue trop vénère non plus. En même temps, ça serait cool que tu le lises. Avec Euphor Stéphane, je t'ajoute le Pays des Contes, tome 3. Priya. Ça dépend lesquels, Marie. Les Twisted Tales, il n'y a pas d'ordre. Tu peux les lire. D'ailleurs, faudrait que je les ajoute en wishlist, ceux que j'ai pas, parce que j'ai vraiment envie de compléter la collection maintenant. Mais bref, c'est pas la question. Mais du coup, ouais, Twisted Tale, il n'y a pas d'ordre. Par contre, les Serena Valentino, oui. C'est ça le point. Ah, merveille. Faut regarder dans le tableau. Il y a juste la vie invisible d'Addie Larue que je t'aurais bien foutu. Parce que. Mais non, mais on est déjà au printemps là, c'est bon. Bah tant pis, écoute, c'est bon comme ça. Donc t'es une demi-élue. Ça dépend lesquelles, Eden. C'est très irrégulier du coup. C'est bon pour toi, Belix. Manon 407, donc Manouchka. Hop. C'est toi où tu n'avais pas dit que tu avais terminé tes devoirs la dernière fois. Et les modos, ils ont dû la vérifier. En fait, l'ordre des livres, tu peux les choper sur Livre Addict directement. Mais voilà, après 3 semaines, j'ai. Ben voilà, elle l'a dit sur Livre Addict. Elle l'a dit sur Livre Addict. C'est très très bien, Manouchka. Il faut juste le dire aussi dans le contrepartie Discord pour que les modos aient pas à aller vérifier eux-mêmes pour le tableau. Mais sinon, c'était la bonne démarche. Et du coup, en case 1, All This Time. C'est très bien, semi-élu aussi. Et l'ordre des livres, du coup, alors attends. En fait, dans ces cas-là, en fait, l'avantage de Livre Addict, c'est ça aussi. Allez, allez. Ah non, c'est parce que j'ai cliqué sur accueil. Hop. Serena Valentino. J'ai beaucoup aimé le Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, je suis pas à jour dans la saga. Donc, en gros, c'est là. Tu les vois comme ça, l'ordre. Avec les petits numéros. Et j'en suis à. Lui, que j'ai pas encore lu. Mais je l'ai chez moi. Et après, bah, faudra que j'achète les 8 et 9 que j'ai pas. C'est une longue saga, hein, elle est longue. Tu as lu celui de réponse. Ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes préfs. Je crois que c'est le 5. Ouais, c'est ça. Il était cool. Mais du coup, lui, il faut les lire dans l'ordre, ceux-là. Ok, Manouchka. Donc, en tout premier, All This Time. Déjà mis, mais quelle rapidité, les garçons. Ah bah, il est là. Ah, il y a du cucu, hein. Celui-là, à chaque fois, il me fait rire. Lafayette! Dans la même case, je te mets 7 fois peut-être. Écoute, ça a l'air très festif, très printanier. C'est la même histoire, en fait, de XBLX. C'est une héroïne qui rencontre plein de persos différents. Donc, en fait, si tu regardes, si tu lis le tome 4 avant les autres, déjà, tu vas pas biter grand-chose. Et puis, bah, du coup, c'est con, quoi. Ah purée, on va bientôt pouvoir, je vais bientôt pouvoir vous le remettre lui, hein. Ah non, pas cela, la saga de Serena Valentino, vous pouvez pas lire dans, enfin c'est une saga. Par contre, les Hachette Heroes, vous pouvez les acheter dans le désordre, sans problème. En case 2, je te mets Gods of Men, avec, non on va mettre, faut pas que je. T'as vu comment j'ai pris l'habitude d'en mettre deux par case là? Marilyn, quand même. En même temps, deux par case, c'est mignon, ils sont pas tous seuls. En même temps, tu vois, y a pas de BD. D'habitude, en général, je mets un roman avec des BD, des mangas. Là, il n'y a que des romans, donc forcément, deux par case, c'est bien. Tu vois? Merci pour le follow, Princesse Crystal. Dans la case 2,
3, pardon. My Dear Fucking Prince. T'as J'ai mon bot qui drague les gens, quoi. Et dans la même case, Love Story. Quand il n'y a pas de BD manga, je mets deux romans. Allez, j'ai décidé. Nouvelle loi. Pardon, je suis peut-être allée un peu vite, Lisounet. Oh, très bien. Oh, il a même mis les Astérix. Merveilleux. Dans la case 2, je te mets Histoire éternelle. La loi Tibou. Oui, non, mais en même temps. En même temps. Non, non, ça sera pour décembre prochain. En même temps, il faut une logique. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, je mets un roman, deux mangas ou un roman, une BD, deux BD, tu vois. Forcément, s'il n'y a que du roman, il faut bien que je mette un autre truc. Je vais pas laisser un roman tout seul. C'est la tristesse. En case 4, je te mets Les Sables d'Araouiya, tome 1. Et on va mettre un petit livre de cul quand même. Parce qu'on n'est pas des bêtes. On a un cœur ici. Mais ben oui. Voilà. Érotisme thriller. Ça a l'air bien glauque, mais c'est bien noté. Quoique là, il y a un tome 2, 18 sur 20, romance contemporaine. Allez, Compass tome 2. Ah, c'est emballé. Et non, au final, j'ai mis Compass. Mais oui, on va pas laisser tout ça dans la case. C'est la tristesse. Parfait. C'est bon pour toi, Manouchka. Floufol, je fais ma petite demande de devoir lecture avant le stream car je serai sûrement en voiture quand il commencera. C'est ouf parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai pas encore atteint le moment où vous avez commencé les demandes au début du stream. Coucou Thibaut de nouveau, j'avais une mini-requête. Est-ce que tu pourrais me mettre en prio Le Roi Maléfique et Inheritance Game 2 car c'est des prêts de ma médiathèque? Merci d'avance, bon stream. Je peux. Alors, case 1, Le Roi Maléfique. Case 2, Inheritance Game 2. Et si elle n'a pas de manga BD, je les grouperai. Donc en paix, c'est pas notre faute. Je vois ça, ouais. Ah, on va grouper, on va grouper. Mets-les ensemble, s'il te plaît, Kitty. Bifurque. Inheritance Game 2 va avec le roi maléfique. Oh, trop cool, Maryse. Bienvenue à toi. En case 2, je te mets Blackwater tome 1 et Anna Karenine tome 2. Les deux réunis font un gros pavé. Oh, ça me plaît bien dans l'ensemble. Ah, mais attends, il y a d'autres trucs. Oh là, il y a d'autres trucs là. Ah bah oui, il y a d'autres trucs. Oh bah oui. On sent la vibe BT qui s'échappe quand même des. Oh, il y a du manga là. Oh, à coup de tard. Ok, case. Ah, on est qu'à la case. Attends, on est à la case combien? Case. Oh, bah ça va. Case 4, je te mets à coup de tard tome 4. Avec Reine d'Égypte tome 8 et 9. On est sur de la femme badass dans la case 4. Je suis pas sur poudre d'étoile. En case 3, je te mets Moriarty, tome 1 et 2. Et c'est là que je me retrouve emmerdée parce que j'aurais bien mis plus de romans. J'essaie de bourriner mon truc, mais. Allez, je te mets déraciné. Voilà. Oh, je suis soft. Ouais. Et je te rajoute quand même un petit bonus. Je te mets. Il est où? Le soleil et ses fleurs dans la case 1. C'est un petit recueil de poésie, donc n'hésite pas à en lire un de temps en temps. Tout le monde sera élu ce soir. Bah oui, mais en même temps, vous êtes trop. Là, j'ai encore 40 demandes. Avant, c'était qu'un roman par case. Oui, mais on évolue. Voilà, c'est. Regarde. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Il se passe des choses et il faut. Voilà. Le monde évolue. Le monde change. Alors, Aude Crépusculaire. Oui, Aude. Tu m'as laissé un message sur ton mur. Merveilleux. Allons voir le message de Aude. Quelle argumentation! Waouh! Alors ça, c'est pas un message. Ça, c'est un article, au minimum. C'est... Bonjour Thibaut, j'espère que tu vas bien. Attends, j'ai dans ma tête parce que ma voix va pas tenir. Hein. Ça va le faire. Oh, c'est trop mignon.
Bravo! Tu peux mettre tout ce que tu veux dans mes devoirs tant que la pile n'atteint pas la tour Eiffel. Donc ça va. En vrai. Oh, regardez ce petit message de fin. Ça, c'est pour vous. Lisez. Ça, c'est vous. On est large. On est là. Le shopping qu'on a fait avec les mots d'or, on avait mis tous nos livres mis bout à bout. C'était pas encore la taille de Kalika. Donc en vrai, la tour Eiffel, on est tranquille, hein. Ok, facile, Emile, fastoche, patoche. Case 1, Anne, tome 4. Bisous, Flanfon. Oh, ils ont changé la gueule de Caraval. Oh! Ok, attends. Case 2, Enchantment of Ravens, et à la fin, il meurt. Très bon roman graphique. À mettre de l'ordre, mes histories. Il y en a qui lisent dans l'ordre que je donne. C'est pas une élue, ça. C'est tout rapide. Il est tout petit, Enchantment of Ravens. En case 3, Gardien des Cités Perdues, tome 6. Mais il est petit, lui. Ah oui, non, 800 pages. Ah oui, non, sur un gros bébé, là. On va pas bouvarner, on va pas bruner. Avec La Fleur Millénaire, tome 4. Un petit manga. Mais il est trop cool, celui-là. Pourquoi t'as pas craqué? Oh! Où je suis tentée. Je suis sûre qu'il y a Cotard dans la page 2. Je suis sûre qu'il y a Cotard dans la suite. Prince captif, réflexion. Alors, Shadow's House, Soyx Family. Yona. Il n'y a pas à Cotard, mais il y a Yona. Il me reste que la case 4. Oh, ma case 1, il y a de la place. Ok. Case 4, du coup, je te mets La Passeuse de mots, tome 3. Thibaut veut tout mettre. Ouais, un peu, hein. Avec Magus of the Library, tome 6. Et Shadows House, tome 3. Oui, c'est ça, Wattel. En case 1, vu qu'il y a un peu de place, je mets Spy X Family, tome 3 et 4. Et Yona, tome 4 et 5. C'est un peu serré, mais ça passe. Et j'ajoute en case 3 parce que j'ai mis qu'un manga. Il est où? J'ai vu qu'il y en avait un qui était tout seul. J'ajoute Les Enfants d'Hippocrate, tome 4 en case 3. Ça, c'est bien rempli, ça. Il n'y a rien qui est pâté, il y en a partout. C'est parfait. Et encore, j'aurais pu mettre un peu plus là, mais c'est la case du repos. Case off. C'est bon pour toi, Aude. Louvikmar, il me reste un devoir, je te laisse un petit message sur mon profil. Coucou, pseudo Louvikmar. Parfait. Salut Miss Ferries. Louvik. Coucou Thibaut. Oui, ma chérie, le tamour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce en sucre? Hein? Va voir papa. Maman, elle travaille. Elle a encore 39 élèves. Ben oui, il y a trop d'élèves, hein. Ben, il y a trop d'élèves. Ouh là 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 là. Coucou Thibou, j'espère que tu vas mieux, que tu retrouves de l'énergie. Ouais, ça va, ça va. Bon, je vais bien dormir cette nuit, je pense, quand même. Mais, pour ce mois-ci, j'aimerais beaucoup continuer de terminer mes sagas. Est-ce qu'il serait possible de mettre essentiellement des suites ou des fins? Louvik, c'est ce que je sais de faire au maximum. Vraiment, tu lis dans mon esprit. Hein, parce que quand vous avez des sagas en cours, ça m'oppresse. Il y en a qui ont 50 sagas en même temps, c'est pas possible! C'est pas possible! Miss Ferris qui me dit t'as une grande classe quand je suis en train de me boucher. Alors je sais que tu l'as dit avant, mais ça m'a fait rire. Voilà, c'était là. Et tu as mis 18 à Fable, très bon goût, très bon choix. Du coup, et s'il reste de la place dans les cases, je te laisse choisir parmi les autres livres de ma palle. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Bon rétablissement, merci Lovikmar. Oh, Chronique des Vampires. Ah oui, mais tu me tentes aussi, voilà. Si tu mets des débuts de saga stylés aussi. T'as combien de sagas en cours actuellement, Thibaut? J'ai pas la suite. Ah, ça te la coupe, hein, Lisandrin. Ah, là, on fait plus son malin, là. Hein. Je parle des gens qui ont toutes les sagas en stock. Ah, oui, mais elle a, et qu'est-ce qu'on dit, Lisandre?
Et qu'est-ce qu'elle referme sa gueule? Et ben, on ferme sa gueule, Lisandre. Eh ben oui. Je sais, ça fait mal, je sais. Ah! Ça quoi? Ah! Ça blesse. Eh, je sais, je sais. Oh, ça c'est très bien, ça c'est très 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 bien. King of Scars, c'est une suite de saga. De toute façon, c'est un tome 2, donc c'est parfait. Une petite BD. Tu possèdes pas la suite, tu as le droit. Oui, Lisandre! Si tu n'as pas la suite, tu ne peux pas la pondre! Tu peux l'acheter, mais il faut la moula, tu vois. Allez, rien. Clairement. Après, cela dit, j'ai des tomes en cours. Oh, quoique. En vrai, en général, j'essaie de mettre une suite de tomes par mois quand je les ai, les suites. Bonjour, Slicer Snake. Je crois que c'est ça. Slicer Snake, c'est ça. On a de la suite de saga. Attends, non. Si, 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 on a ça. Ah oui, t'en as une chier, hein. Ouf. Oh, la passeuse de mots. Je résiste. Marilyn, tu résistes. Ok, d'accord, je résiste. Tu résistes vraiment? Je résiste vraiment. Waouh, ok, je suis très impressionnée par toi. Merci, moi aussi, vraiment, flex. Ok, case 1, déjà, je te mets les mémoires de Vanitas, tome 1 et 2. J'avance mes sagas, j'avance mes sagas. Case 2, Moriarty, tome 10 et 11. Parce que mes mangas, c'est ce qui me complète un peu, tu vois. Je suis fatiguée, d'accord. J'aimerais beaucoup lui caser Adilarus, sinon ça va attendre l'automne prochain. Hein. Mais bon, là, ça va être compliqué, à mon avis. Hein. Alors, Louvic d'Amur. T'as né où, toi? T'as lu Fable il n'y a pas longtemps du tout, donc je vais pas te mettre le Fable tome 2 tout de suite. En case 2, je te mets Fable tome 2. Ça laisse un peu de temps. Non, en case 3, en case 3. Merci pour le sub, Mao. Mais oui, je l'ai bien dit, bah Slicer, tu sais, à force, hein, on devient résistant. Hein. Enfin, résistance, pas du tout l'adjectif. Bref, en case. En case 1, la carte des confins, tome 2. Lou a dit que tu pouvais caser Adi. Ah, bah oui, mais attends, faut que ça rentre. On va pas forcer dans un trou qui, tu vois. Bref, c'est dégueulasse cette métaphore. J'allais la pousser plus loin, mais c'était pas élégant. On va voir. Déjà, j'essaie de te caser tes sagas. Mais je vais voir. Je vais essayer de te caser, là, Eddie. J'ai dit la Cité des Ténèbres, tome 2, ou pas pour case 2. Je sais plus si je parle. Je sais plus. On a dit classe. Bah oui, désolé. Bah oui. Non, j'ai pas dit. Bah, très bien. La Cité des Ténèbres, Renaissance, tome 2. Ou juste la Cité des Ténèbres, tome 2 pour la case 2. En case. Ah, j'ai déjà mis Fable. En case 3, je te mets l'Iliade BD, tome 1. Après, Fable, il est pas très long. Ouais, 500 pages. Je vais te caser un petit 500 pages. Eh ben, je te mets les travaux d'Apollon, tome 2, dans la case 3, avec Fable. Non, mais en BD, c'est une BD, Slicer. C'est une BD, donc non, ça se lit en 30 minutes. Et encore. Exactement, Tiffen. Je groupe. 1000, c'est harmonieux, 1000. C'est. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En case 4, alors du coup j'ai mis les travaux d'Apollon. Voilà. En case 4, je te mets la passe miroir tome 3 avec la faucheuse tome 2. Ce qui nous fait à peu près du 1000 pages aussi. Et en case 1, je t'ajoute la vie invisible d'Adila. Ça fait plus. C'est plus hiver, Cristal, quand même. Enfin, automne. C'est marécageux, tu vois, Blackwater. Voilà. On la voit en septembre. Mais non! Mais non, ça va le faire. Et voilà.
Et je t'ai pas mis King of Scars, tu vois, c'est le seul qui manque, hein. J'ai limite envie de forcer un peu pour le caser. Tu vois? Techniquement, il y en a deux partout, à part dans la case 2, hein. Parce que il reste que lui, hein. Place le... Ah, t'es sûr? Non, je voudrais pas que tu te sentes forcé, hein. Parce que non, mais en même temps, j'ai casé toutes les... Tu vois? Faut combler les trous. Bah oui, non, parce que là, mais après, j'ai mis les mangas. Tu vois? J'ai mis deux mangas, donc... Mais c'est la dernière suite de saga, elle m'a dit que je pouvais, donc... Écoute, King of Scars tome 2, je te le mets en case 2, voilà. Comme ça, t'as toutes tes suites de saga en cours. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très belle avancée. Là, quand t'auras lu ça, ah bah là, tu seras en mode, ah bah j'ai bien avancé dans mes sagas, tu vois, parce que vraiment, c'est que des suites de saga, à part Adi Larue, du coup. Mais Adi Larue, je te l'ai mis en case 1, parce que c'est quand même automne, enfin froid, tu vois, hiver, froid, cul glacial, tu vois. Donc du coup, je peux pas te le foutre à la fin. Donc, tu vois, mais sinon, à part ça, voilà, bonne lecture, hein, voilà. Silaya! Silaya! Qu'est-ce qu'elle va lire, ma petite Silaya? Ouh là 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 là! Anaëlle va être mon amie, j'accepte Anaëlle. Sois mon amie. Grave Céleste. Céleste, pas Céleste. Bonjour, je viens de rendre des devoirs car il ne me reste plus que Léo de Hurlevent à lire. Est-ce que ce serait possible de mettre l'Empire du Vampire en prio, s'il te plaît, vu que je l'ai emprunté? C'est tout à fait possible. Silaya case 1, l'Empire du Vampire. Voilà. C'est quoi tes listes? J'aime bien faire vos listes. Ok, tu lis. Alors, il y a du manga. Ah, ça, c'est elle l'a acheté à Grenoble, ça. Oh oui! Je lui ai refilé les miens. Eh ben, tu vas tout lire. Attends, t'en as combien? 18. Oh, ça va. Ah, mais il n'y a pas 18 romans. Ça passe. Non, peut-être pas, je me chauffe un peu. Alors, déjà, elle a l'Empire du Vampire en case 1. Dans la même case, je te mets le Comte des Parias, tome 1 et 2. Avec Aphrodite, tome 2. Non, pas Aphrodite, tome 2 tout de suite. Juste le Comte des Parias, tome 1 et 2. Je vais essayer d'être raisonnable au début et on verra après. Oui, non, mais Junette, c'est un détail. Tout ne compte pas dans le chiffre, tu vois. En case 2, je te mets Enchantment of Ravens avec Heartstopper tome 4. Parce qu'il y a un moment, tu vois, genre là, tu vas être dans un truc un peu badass, sombre, dark, tu vois. Enchantment of Ravens, ça va t'apporter un peu de légèreté, d'être mûr, c'est bien. Merci Lucie pour le follow. En case 3, ouais, mais celui-là, ça fait plus été. En case 3, je te mets les ailes d'émeraude, tome 1. Avec Mémoire de la forêt. Parce que les ailes d'émeraude, c'est nul. Et Mémoire de la forêt, c'est très bien. Du coup, ça va te faire un oh oui, tu vois. Ah, mais j'ai un cœur, hein. J'ai un cœur. On se voit pas toujours, mais. En case 1, je t'ajoute. Les couilles sur la table. C'est un essai, tu connais la chanson, tu lis à ton rythme. Blablabla, pas de confond. Hein. Merci Lucie, bonjour, bienvenue. Merci pour le follow, Manon. En case 4, je te mets un bûcher sous la neige. Ah, faut que je le mette plus tôt. Faut que je le mette plus tôt. Ah, mais alors le truc, c'est que si je le mets plus tôt, ça va te faire déprimer. Parce que du coup, ça va être déprimant. Et puis ça, c'est nul. Attends. Oh, mais il y a lui aussi! Ok, on va faire un truc. Un bûcher sous la neige, Divan case 2 avec Enchantment of Ravens. Il bifurque. Ah, c'est pas bon, non. Et en case 4, je te mets Crescent City tome 2. Exactement, si là. Bah après, c'est pas moi, je ne suis pas responsable de vos achats pas bons, hein. Moi, je ne peux que vous voir pleurer, hein. Si ça peut te consoler, cette case-là est excellente.
Celle-là, elle est en mi molle, quoi. Je t'ajoute dans la case 4 Arte tome 2 et Divine Nanami tome 5. Arte tome 2 et Divine Nanami tome 5. Et ma foi, bon, on est bon. Putain, j'ai pas mis les 18. Ah, attends, il me manque Aphrodite du coup. Eh ben, je te mets dans la case 3 Aphrodite tome 2. Oui, bon, les dons, où est-elle, les dons? Oui, on se demande si là, on se demande. Bonjour, Emilia. Et voilà, c'est une belle pâle, celle-là. Bonne lecture. Virgin Earth. Devoir d'août annulé, donc aucun devoir en cours. Parfait. C'est par Gaspard. Hop. Coucou Thibaut, coucou le chat. J'ai lu que des mangas en février, donc ça manque vachement de lire des romans. Je te laisse carte blanche. Juste pas trop de pavasse, please, même si je crois que je fais ça. Ah, mais voilà aussi. S'il y a que ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas faire des miracles, hein. Case 1, Anne tome 2. Et comme il est tout petit, je te mets avec un petit classique de philosophie de Mian. Alors, elle m'a demandé pas des pavés, hein, donc je vais essayer de pas être raisonnable. En case 2, je te mets Inheritance Game, tome 2. Elle a 12 livres, si là. Oui, on va aller vite. Et en case 3, La Faucheuse, tome 3. Ah putain, il y a Eddy Larue. Ok, alors il faut que je bifurque. Le problème, c'est que Eddy Larue, ouais, si je le fous pas là, il n'y a pas de, y a pas d'alternative après, hein. Enfin, si, l'hiver prochain, quoi, mais... beaucoup de Tokyo Ghoul. Oh, comment on va faire? Bon, déjà... déjà que je gère mes romans. On va échanger. Inheritance Game tome 2 passe en case 4. Eddy Larue passe en case 2. Bah oui, Slicer, on est d'accord. Non mais je veux... Alors, Virgin Heart, je ménage la susceptibilité. Comme tu viens d'arriver, de revenir plutôt, je vais pas t'en mettre trop, tu vois. Je vais quand même te mettre des mangas, bien entendu, parce qu'il faut pas déconner, hein. En case 1, je te mets... Ils sont où les noms chelous, là? Ah, c'était en case 2, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment. Allez, en case 1, Tokyo Ghoul, re, tome 3 et 4. Non, mais c'est pas une question de froid ou chaud, Crystal, c'est une question de soleil. Il commence à faire beau, tu vois. J'ai passé l'après-midi, la fenêtre ouverte à lire au soleil. J'ai pas lu les Inheritance Games, non. Et Tokyo Ghoul, re, tome 5 et 6, dans la case 3. Parce que là, faut les avancer, c'était Tokyo Ghoul, re, hein, t'en as une chier. Je t'ajoute Vagabond, tome 19 et 20, dans la case 4. Ouais, j'ai rusé, Titi, j'ai rusé. Et en case 2, les carnets de l'apothicaire, tome 3 et 4. Aurore, ils ont rien à voir les uns avec les autres, bien sûr. J'ai tendance à mettre un Cotard en premier avant Crescent City, mais c'est tout à fait possible. Je t'ajoute néanmoins dans la case 2 le Petit Prince. C'est tout petit, donc c'est un bonus. Et dans la case 3, Moriarty tome 15. On va pas le laisser tout seul, le pauvre. Le pauvre bichonou. Et c'est bon pour toi, Virgin, bon retour! Coucou Tidbou, un petit message t'attends sur mon profil, Mina Fox. Mina Fox, il te reste un devoir, c'est parfait. Hop. Bah non, on le laisse pas tout seul, bah non. C'est pas dans Crescent City 2 qu'il y a un spoil d'Akotar. Ah ouais? Ah, j'en sais rien, je l'ai pas lu encore. Ah, si c'est le cas, ça change tout. Je ne sais pas. Bisous Titi!
Coucou Thibaut, j'espère que tu vas mieux. Me revoici pour demander des devoirs, il m'en reste deux en cours, L'Empire du Vampire et Solo Leveling, tome 7, que je suis en train de lire actuellement. Je te laisse le plaisir de choisir mes prochaines lectures dans cette pâle qui ne cesse de croître. Par ta faute en partie, mon compte en banque pleure. Vous n'êtes pas prêt pour une prochaine lecture, je vous dis que ça. Merci encore pour ce concept ô combien pratique pour les indécis comme moi et bon courage pour choisir parmi tout ça. Bisous et bon rétablissement et surtout bonne lecture en compagnie de Kiki d'amour. Oui, Kiki d'amour, en ce moment il me pète les couilles d'ailleurs, mais bon, il reste quand même Kiki d'amour. Si c'est dans Crescent City 2, il faut faire attention. Ah, bah alors dans ce cas-là, il faut lire à Cotard d'abord. Dans ce cas-là, lisez à Cotard avant Crescent City. Après, je pense que c'est plus un clin d'œil, non? Yuri, c'est pas faux. Alors, en case 1, Anne, tome 3, bien entendu. Avec Blue Spring Ride, tome 7 et 8. Non, c'est pas du tout un clin d'œil. Ah! Il faut avoir lu tous les tomes de Hakota actuel avant Crescent City 2. Ok, d'accord. C'est un spoil. Ok. Ok, bon bah, vous avez la réponse du coup. C'est bon à savoir, merci pour l'info. Comme ça, je pourrais renseigner les gens aussi. En case 3, Blue Spring Ride, tome 9 et 10. Avec Caraval, tome 1, ça passe bien avec la météo. Non, je pense que le prochain update, je vais le faire en une partie, mais ça durera 1h30. Voilà. Mais en fait, la semaine qui arrive, je vais... Parce que là, en gros, j'ai pas repris les tournages vidéo encore. Et du coup, à la base, j'étais en mode... Parce que j'ai reçu les cubes. Donc, je m'étais dit, oh, je vais tourner les cubes demain, donc lundi, pour mardi. Et c'est les modos, ils m'ont dit, écoute, repose-toi, prends ton temps. Tu peux tourner demain, mais sors là jeudi. Du coup, je pense que je vais les écouter. Il n'y aura pas de vidéo mardi, mercredi. Mais il y aura des vidéos à partir de jeudi, on va dire. Je me fais une pause. Non, Crescent City tome 1, ça spoil rien par contre. Ah, tu voulais les lire en relié spécialement. Ah ouais. Oui, c'est ça, Junette, c'est ça, c'est le plan. C'est... Oh, Slicer, je comprends. Pardon, du coup, excuse-moi, qui c'est qui note? Excuse-moi. Bah, Titi encore? Oh, mais je crois que Titi était parti, il avait dit au revoir. En case 2, je te mets Fable, qui est excellent, lisez-le. Avec Grisha. C'est deux petits, ça fait 700 pages les deux. Grisha, tome 1. En case... Attends, j'ai quoi de manga? J'ai pas de manga. En case 4, je te mets L'Enfant et le Maudit, tome 3 et 4. Tu m'étonnes. Mais les éditions anglaises sont toujours tellement magnifiques. Oh! Et clairement, L'Ours et le Rossignol. Il faut que je m'achète le tome 2. Hein. Il y a plein de tomes 2 qu'il faut que je m'achète. Il faut que je m'achète le tome 2 du Joyau. Il faut que je m'achète le tome 2 de L'Ours et le Rossignol. J'ai vraiment... Oh, il y a un boucher sous la neige. Je vais le caser, je m'en fous. Je me bats. Ah mais non, en même temps c'est un peu dommage de lire L'Ours et le Rossignol et Un bûcher sous la neige en même temps. En vrai t'es bien comme ça. En vrai t'es bien comme ça. T'es sur une thématique de pâle, Mina, assez poétique. Genre t'as Anne qui est très poétique, good vibes. Fable, action, aventure, pirate, fantasy avec une héroïne qui a des couilles, façon de parler, et qui est trop cool. Grisha tome 1, il est encore bien. T'as une héroïne qui commence à montrer qu'elle va être casse-couille mais t'es pas encore au stade où t'as envie de l'étrangler. Et pareil t'as de la bonne fantasy. Caraval, poétique à balles, L'Ours et le Rossignol, très joli aussi, assez merveilleux avec un domaine de conte et tout, et witchy vibes, tu vois, très très cool. C'est ça, Junette, on arrive à toi. T'as fait ta demande avant, toi aussi? Slicer, c'est un bon découpage. Attends un peu, Gigi, parce que j'en ai déjà deux à ouvrir de toi, là. Junette, mais t'es pas passé il y a pas longtemps, toi? T'es passé quand de voir Junette? Je suis pas... Bah si, t'es passé le 18 février. Ah bah oui, quand même. Lisandre. On a beaucoup trop d'élèves aujourd'hui. Oui. Oui. Coucou, je viens de redemander des devoirs, je peux être clairement une élue, ça fera ma pâle de mars. 3 romans par case, c'est bon, t'inquiète, désolé Modo qui fera ma case. De préférence, tu pouvais mettre le Royaume des Damnés car il me tente trop, des bisous, Reine Thibou. Et bah, le Royaume des Damnés en case 1. Voilà, quand ça te tente, je mets d'abord. J'ai 3 heures par jour minimum. Ah oui, bah oui. Tu bosses plus, toi? C'est pas... Non, tu bossais pas dans la restauration?
D'ailleurs, j'adore Féline dans ta, sur ta PP. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je le redis. Voilà, Oui, on peut, Aurore. Dans l'idéal, c'est bien d'attendre que ça commence, mais... En case 2, bah très bien. Autre monde, tome 5, et Blackwater, tome 5. Bim. Ah, je comprends, Jonette. On va te faire avancer tes sagas aussi, hein. Attends, par contre, il y a 3 pages, je me méfie. Il doit y avoir des trucs de ouf. Ça, c'est stylé. Mais c'est pas trop la saison, ça, je vais attendre. Oh, ça fera plaisir à Alice. Oh, ça. T'as aimé le tome 1? Ouais, bah ça, c'est de la merde, mais faut que tu le finisses, hein. C'est quand même quand t'es constipé, faut bien finir par sortir, tu vois. T'as lu le tome 1 ou pas, Jonette? T'as faim, ouais, j'ai vu. Rip Grisha, ouais, oh, désolé. Ah oui, ça oui. Ça oui. Oui, t'as lu, très bien. Je fais mon tour de... Ah, donc ça, je te l'ai mis, c'est le royaume des damnés, hein. Ouais. Ça, on va l'avancer. Non, ça, c'est pas tout de suite, ça. Celui-là, il peut être sympa pour la saison. Ah, on avance. Neil, pourquoi pas. Neil, on commence à revenir dans la saison aussi. Thibaut sans filtre. Jamais. Ah, bah tiens, quand on parle du diable... On en voit ça que Vampiria, c'est plus trop la saison, mais en vrai, ça passe un peu tout le temps. Pourquoi elle veut rentrer, Fifi? Papa, il l'a refermé dehors? Mais enfin... Papa, il t'a enfermé. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bims? Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Bah oui, va le rejoindre. Il est couillon, son père, des fois. Attends. On allume la lumière, parce que... Allumons la chandelle. Voilà. Alors. Oh la vache, ça va être une chie. Alors, cela dit, tu n'as pas de manga et de BD. Ah si, un peu. Non, c'est du roman. Du coup, bah, je peux te mettre de rang par case. Après, de toute façon, tu m'as dit de bourriner, donc... en soi... T'as juste Fable en BD. Ouais. Alors... dans la case 1, je t'ajoute Eric Prince des Mers. Je pense que c'est nul. J'ai hâte de savoir ton avis. Je pense vraiment que c'est nul. Vraiment. Le synopsis est éclaté. Mais il y a de la flotte. Ça te fait un petit présage de l'été, tu vois. Donc, tu me diras. Et après, en plus, après, tu retombes dans quelque chose de très sombre. Donc, autant te mettre un peu de festif au début, tu vois. En case 3, je te mets à Cotard, tome 4. Ah, non. Chronique lunaire, tome 2. Non, attends, comment on va faire, du coup? Scylla, excuse-moi. Il va falloir se concentrer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre Autre Monde, tome 5, dans la case 3? Et là, ça va être... Ah, ça va être sportif. Voilà. À la place, tu me mets Les Chroniques Lunaires, tome 2, dans la case 2. Salut, Kelly. Et Akotard, tome 4, dans la case 4. Parce que je veux pas te coller Les Chroniques Lunaires et Akotard, c'est quand même trop fantasy vibes ensemble, tu vois. Enfin, même si c'est plus de la SF, machin, mais... Il y a une vibe, tu vois. Et c'était Autre Monde, tome 5. Voilà, parfait. Du coup, pour aller avec Autre Monde, tome 5, je te mets Fable, tome 2. Et pour aller avec Akotard, tome 4, on va partir sur Miss Peregrine, tome 4. On est donc sur fantasy, je sais pas trop le genre, mais je dirais assez sérieuse, avec un truc un peu con. Un truc sympa, Disney, réécriture de conte, avec un truc sérieux et fantastique. Sérieux, tristou, fantasy cool, du cul et de la fantasy, avec du réaliste, un peu sombre. C'est très bien, ça fait qu'une évolution en logique.
Et ben en vrai, je pense qu'on est pas mal, hein. Oh, j'en ai pas mal du G maintenant. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ça me semble smart. Bon après, j'ai tout ça que j'avais envie de mettre aussi, hein. Mais il y a un moment, il faut faire un choix. Ah non, si, lui, il faut... Oh non, attends. Bah écoute, on va serrer un peu. On va serrer un peu. Je te mets l'histoire de la bête dans la case. Ah! Dans la case 3. Dans la case 3. Parce qu'il faut que je te la fasse avancer, cette saga, parce que t'as 9 tomes, donc... voilà. Un peu de Disney, quoi. L'histoire de la bête. Et je t'ajoute dans la case 2, la maison au milieu de la mer céréléenne. Tu peux 3 par case. C'est lui qui dit, hein. C'est lui qui dit qui est, hein. Cristal. Du coup, vu que j'ai droit à 3, je te mets Prince Captif, tome 3, dans la case 1. Et dans la case 4, Grisha, tome 3. Voilà. Là, t'es bien là. Voilà. Tu vas voir, c'est là, il y a un plot twist. T'es pas prêt, hein. Coucou Thibaut, ce sont mes premiers devoirs, je me lance enfin, je t'ai laissé un message sur mon profil. Panda fleuri. Pandi. Panda. Petit ourson de Chine. Pandi. Panda. Et dans l'Himalaya. Pandi. Panda. Tu ne seras pas une victime. J'aime bien Chantal Goya. C'est bon, June? Ah bah je te trouve pas. Panda fleuri. Ah, il y a peut-être un point à la fin. Ça, si c'est ça, c'est le souci du détail. Hein. Junette. Ah non, Pandy fleuri. Ah, t'as pas mis le pseudo. Bah si, pourtant. Tu t'es gouré de pseudo. Ah bah ça, c'est pas courant. Pandy fleuri. Bah attendez, je modifie. Ah bah non, il y a déjà Wattel sur le coup. Bon bah c'est Pandy fleuri. Coucou Thibou, je suis contente que tu ne sois plus malade. Oui alors, t'inquiète Pandy, je comprends les correcteurs des fois. Parfait. I like it. Et j'ai une liste de parles. Il y a tous les... Oh la vache. Il y a tous les carnets de l'apothicaire, mais elle les a pas tous mis. Oh. T'as vachement d'albums stylés, hein? Oh, la fin des animaux. Oh. Oh là 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 là. Oh, et il est incroyable, lui, hein? Oh là là, il est vraiment bien. Junette, je veux une photo de Jou. Case 1. On va partir sur le cœur sur la table. Merci Darkojox. Merci beaucoup. Qui c'est qui? Scylla et Wattle. Les deux se doivent du très rapide maintenant. Le cœur sur la table, du coup, pareil, c'est un essai. N'hésite pas à le lire à ton rythme, entre plusieurs lectures ou tout d'un coup, comme tu le souhaites. Dans la même case, je vais te mettre Oser ses rêves. Avec les roses de Trianon, tome 2. Oser ses rêves et les roses de Trianon, tome 2. En case 2, la vie invisible d'Addy Larue, que je dois caser avant qu'il fasse chaud. Salut Léo! Et avec, je te mets Sirène de légende. Il n'a pas l'air bien long. Ça a l'air d'être surtout joli à feuilleter. Ouais, c'est ça. Il est très joli. Ah bah je l'ai déjà en Wish, je savais même pas. Ah, j'ai des livres en Wishlist, j'oublie que je les ai, quoi. Ça me fume moi-même.
Je t'ajoute dans la même case, donc en case 2, avec Sirène de légende, la Chambre des Merveilles. C'est vrai, Yuri Shawa. En case 3, je te mets Prospérine virgule point. Avec les fourberies de Scapin, qui est très drôle. Prospérine virgule point. Avec les fourberies de Scapin. Et en case 4, très bien, les carnets de l'apothicaire, tome 1 et 2, avec Malgré tout et La ferme des animaux, qui est très cool. Et je pense qu'on est bien. Ouais. Ah, je vais peut-être te rajouter un tout petit truc mignon. Enfin, mignon. Je te mets Ma vie posthume dans la case 3. Juste parce que t'as pas de BD manga dans la case 3. Du coup, autant que je groupe un peu. Bonjour, Huntermania. Et ça me semble smart. Posthume. Tu me fais du latin. Posthume. Posthume. Il manque des lettres. Wattel. Il manque des lettres à postum. Postum, postas, postatus. Je pense au latinus. Pandifleuris, c'est good. Rizouriz, bonjour, il me reste deux devoirs, donc c'est le moment pour en redemander. J'ai fait une liste pas le tibou. Merveilleux Rizou. Reste deux devoirs, on est bon. Je savais pas l'écrire, mais je me doute. Mais c'est pas grave, comme ça tu retiendras que c'est pas postum. Bonjour Thibaut, bonjour le chat, vous allez bien? Moi ça va, j'ai fait une liste pas le Thibaut avec mes envies de lecture du moment et sans mes deux devoirs restants. Merveilleux! Et alors, non, clairement, j'ai pas le temps, Rizou, d'aller voir dans ta Wish. Tu sais, je sais, regarde-moi. Je sais que tu sais que je sais que tu sais quel livre je te destine. Allons voir! Tu peux mettre Lady Hélène, c'est une suite. Ah, tu veux que je te le rajoute, Pandy? Pandy? T'es à quel tome? Pour Lady Hélène. Exactement, Yuri. You know the truth. On va l'ajouter en case 1. Lady Hélène, tome 2. Ajoute-le, du coup. Merci, ma Wattel. En case 1, en case 1, 1. Wattel, elle s'est baladée. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Rizouriz? Oh, bah, dis donc, Rizou. Rizou. Est-ce que Rizou, il serait pas en train d'essayer de me diminuer mes choix là? Non, parce qu'attends. Si je peux me permettre, Rizou. Il y a 7 livres dans ta palle, 12 dans ta. Eh! Il y a un petit décalage là. Bon, on va mettre les 7, hein. Ah bah, totalement, Lisounet. Totalement. Alors, en case 1, pour Rizou, je mets. Imparfait, fais-moi une place. Un petit roman de cul. Avec Demain dès l'aube. Un petit truc de poésie. Voilà. En case 2, je te mets Persuasion. Avec votre histoire à vous, les filles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Aïe, 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 aïe. Oh, mais quelle rapidité! Ah oui, ah oui, ah oui, Pérusasion. Si là, elle m'a rajouté tes lettres. Ouais, elle m'en enlève. C'est là, elle en ajoute. Et c'est là qu'on voit que c'est un teamwork, tu vois. C'est là qu'on voit que ça s'équilibre. Case 3, je te mets Équinoxe tome 1 avec la toute petite reine. Équinoxe tome 1, Équinoxe sans E pour le coup. Équinoxe tome 1 avec la toute petite reine. Mais ça se complète totalement, exactement. Une sorte de yin et yang. Et en case 4, je te mets Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Par contre, là, je non, là, il faut que j'aille compléter, hein. Ah, il y en a quatre que tu m'as quizé. Qu'est-ce que tu m'as quizé? Rizou, tu as essayé de me cacher des choses. Il y en a que tu n'as pas mis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a caché?
Qu'est-ce qu'elle a caché? Oh, regarde ce qu'elle a caché. Eh bah, Rizou. Ouais, je l'ai lu, Cristal. Eh bah, Rizou, on cache des choses. Oh, on a ajouté un petit dernier. Là, regarde, il est tout seul, Arsène Lupin. On va te mettre la carte des confins, tome 1. Il est très sympa, en plus, il paraît. Très, très cool. 456 pages. Bon, pop, pop, pop. Bon, pop, 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 pop. On va pas le laisser donc tout seul. En plus, regarde, il fait très estival. Regarde. Regarde la fifi comme elle va être contente de te voir. C'est mon devoir précédent. Ah merde! Ok, bon. Alors, pas celui-là. Attends. Ah, mais pas lui. Eh bah... ben. Ouais, je dirais que c'est. Le mari invisible. Tiens. Le mari invisible. Comme ça, t'es sûr qu'il te fait pas chier. Le mari invisible, ça te va? Tu l'as pas lu, le mari invisible? 416 pages. Il est même encore plus court que l'autre. Hein? On part sur le mari invisible en case 4? Allez. Tiffen. C'est bon pour Rizou. Jachana. Jachana. Rizou, il essaie de cacher, hein? Un abandon récent. Rizou, tu me courrouces, hein? Alors, sors le tapal si tu l'as abandonné. Eh ben, je te mets le faucheux, voilà. 240 pages, un policier avec des morts. Ça te va, le faucheux? Le faucheux, je peux te le mettre, moi? Lisandre, voilà. Très bon. Sinon, je vous fais relire les mêmes choses. Exactement. Exactement. J'ose pas quitter la page maintenant. Il va me dire, oh, mais je l'ai lu le mois dernier. Oui, c'est bon, parfait. Allez, hop là. Adjugé vendu. De toute façon, il en restait plus qu'un après. Hein. Et bah, du coup, Jachana, elle va se taper 12 devoirs. Hein. Ah bah. Elle paye pour les autres. Hein. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Ça a l'air sympa comme lecture, ça aussi. Vous êtes pas du tout des psychopathes. Non, mais c'est rassurant, hein. C'est rassurant, c'est pas. C'est pas. Alors, Drain, il fait pas encore assez chaud quand même. Je me suis évadée d'Auschwitz. Voilà, point nazi. Hein, on n'oublie pas notre point nazi. Oh, t'as des trucs bien déprimants, Jachana. Ça va en ce moment? Hein? Non, parce que là, faut s'inquiéter quand même. Hein, là, c'est. Oh, voilà. Oui, c'est bien ça aussi pour respirer la joie de vivre. Bien. Et un été si tranquille, ne vous y trompez pas, c'est un drame. Voilà, Jachana va pleurer. Eh ben écoute, allons au fond de la tristesse. Hein, voilà, Alors, en case 1, on va te mettre Into the Wild avec J'ai avalé un arc-en-ciel. Histoire que t'aies un peu de joie dans ta vie, tu vois. Ah, là, on est sur la grosse poilade, là. Hein. En case 2, eh ben, écoute, on va te mettre. Il est où? Si c'est un homme de Primo Levi, avec plus jeune que moi, tome 1 à 3. J'essaie de te sauver de la débandade. Hein. En case 3, on part sur Les Dents de la Mer, avec le Club des 5 en péril. Et les enfants loups, tome 1 à 3. Non, pardon. Et les nombrils, tome 4. Et loups, tome 4. Je refais du coup les nombrils, tome 4. Loups, tome 4. Et le club des 5 en péril. Très bien. Et en case 4, je te mets les enfants loups, tome 1 à 3. Avec Sweet Sixteen. Très dur aussi, hein, les premières adolescentes noires à être allées au collège blanc, enfin, au collège ou au lycée blanc. Donc, grosse poilade aussi. Hein, et je t'ajoute un petit quand même, parce que là, ça fait court. Je te mets La religieuse de Diderot. Voilà. Très très beau. Oh, ou alors L'herbe bleue. Une enfant droguée.
Une enfant droguée ou alors une femme qui devient bonne sœur et qui se fait violer. Qu'est-ce qu'on fait? Sur le sens du fun, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est... Tu peux enlever Wattel, s'il te plaît, pour que je visualise? Mais l'herbe bleue, il est beau, hein? Non, je te mets la religieuse. Non, bah si. Ah, j'ai envie en fait d'arracher le pansement d'un coup et de mettre tout ce qui est badant, tu vois. Mais la religieuse quand même. C'est... Si je pouvais être vicelard, je mettrais l'herbe bleue avec si c'est un homme. Ah, bon bah alors avec si c'est un homme. Ça va être ta case de déprime. Je rajoute l'herbe bleue avec si... Non mais comme ça c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, elle va me faire un mois de déprime totale, et du coup, techniquement, le mois prochain, il y aura du fun. Je veux dire, là, si j'enlève tout ce qui donne envie de mourir, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Autant tout faire d'un coup. Comme ça, on est bien. Voilà. Bonne lecture, Shoshana. J'espère te voir le mois prochain. Je déconne, je sais qu'elle va bien, elle est en forme, Shoshana. Amnam, coucou, voici mon pseudo, Hamham. J'espère pouvoir me libérer vite pour assister au live. Oh, bah, j'espère que t'es là, quand même, depuis le temps. Encore faut-il survivre au moins. Oui. C'est sûr. Et encore, je t'ai mis qu'un point nazi. Hein. T'auras l'autre le mois prochain. Hein. Je vais pas tout mettre d'un coup quand même, faut déconner. Waouh. Promis, cette fois-ci, je fais pas de pavé, je suis concise. Vam. Hein? Attends. Tu peux éviter à une condition que tu ne mettes pas le pavé orange à liberté. Je vais laisser du suspense sur les liens. Tu utilises le pavé, c'est bien que tu as besoin de bibliothèque. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc si je lui mets orange, enfin le pavé orange, donc si je lui mets machin là, faut pas que je lui blinde le reste. Ok. C'est vrai. Du coup, alors attends, elle m'a fait une pâle. J'ai pas compris. Ah, Am, tu des points clairs. C'est vrai, Lisandre. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais regarder. Case 1, Anne, tome 1. Parce qu'après, elle m'a dit qu'elle... Parce que moi, je suis pas obligée de mettre le truc orange. Mais en même temps, si elle veut le lire... Attends, il y a des suites d'abord, hein. Je pense que c'est le priori de l'oranger, ce qu'elle veut dire. Que si je lui mets, faut pas que je bourrine. Ouais, c'est ça. Mais elle a dit que si je lui mettais pas, je pouvais bourriner. Donc, est-ce que je vais le mettre? Parce qu'il y a de quoi faire, là, hein. Quand même, hein. Oh. Ouais, on va s'en passer. Hein. Dans la même case, je mets une sirène à Paris. Oh, bourrine, on est d'accord. A priori, ça sera le mois prochain. Hein. Ah bah là, faut vider. Là, faut... En case 2, je te mets un bûcher sous la neige. Avec Prince captif, tome 1 et 2. Si elle revient le mois prochain. Mais oui. Elle m'a dit que je pouvais bourriner. C'est elle qui a dit, hein. En case 3, je te mets Mémoire de la forêt. Et Miss Peregrine, tome 1. Ça se marie bien ensemble. Ça, j'ajoute de côté. En case 3, je te mets Le Temps des sorcières. Avec A Forgery of Roses. Ah merde, c'est en case 4. Le temps est passé beaucoup trop vite. Non. Il manque des cases. Ah. Bon, bah, on va faire avec. Non, mais attends, il y en a d'autres, là. Ah, mais Darkrai. Oh, mais j'ai mis le prince, on va pas le mettre l'autre. Oh, mais Gods of Men. Merde, Stopper. Oh, merde, Stopper, je peux le bourriner. La faucheuse, faut qu'elle le finisse aussi. Allez, celui-là, je voulais lui mettre. Oh. Comment on fait? En case 1, je t'ajoute La Faucheuse, tome 3.
4, 4, c'était bien casse 4 aussi là. En casse 3, je t'ajoute Heartstopper tome 2. Bon, ça, je mets pas. En casse 4, je t'ajoute le plus petit baiser jamais recensé. Comme ça, elle a deux Mathias Malzieu. Et c'est très très court à chaque fois. C'est 100, 100 et quelques pages. Comme elle voulait vraiment en lire, je lui en mets deux. Le plus petit baiser jamais recensé. Et j'ajoute en case 2 les mémoires de Vanitas, tome 4. Tranquille! Tranquille! C'est good pour toi. Je vais faire une pause pipi, je vais me faire pipi dessus, sinon c'est pas ouf. Je reviens. 1h30, ça fait 1h30 que je sens ça, mais c'est pas possible. Oh, je reviens! Re. Ah bah je me sens plus légère. Ah. Alors, où qu'on en est? Il nous reste 33 devant. Je vais clairement pas pouvoir vous faire tout se passer, hein. Je... N'est pas possible. C'est pas possible. Il reste 33 personnes, quoi. C'est pas possible. Non mais d'où vous êtes aussi nombreux maintenant? C'est pas possible. Pourtant, j'aime bien l'idée de tous vous faire passer, mais... Après, peut-être dans les demandes, il y en a qui ont précisé des trucs, tu vois. Je me dis ça. Peut-être qu'il n'y en a pas 33, vraiment. Je m'accroche. Pourquoi ça ne baisse pas? Mais c'est ça! Oui, alors quand s'il a dit on vous remboursera, c'est pas payant, hein, mais on vous rend vos poucas, quoi. Il va falloir en faire 2 par semaine, des streams de voix. Bah, en vrai, oui, hein. Là, il va falloir... Il va falloir le temps que ça baisse, quoi, parce que... Ah, j'ai pas été là un samedi, quoi, bordel! Ça! Je compte pas hier, parce que je le fais aujourd'hui, du coup, hein, mais. On vous envoie un chèque si vous passez pas. Oui, alors. Coucou Thibaut, j'espère que ça va mieux. Il me reste plus de 2 devoirs, dont un qui est en cours. Pour les nouveaux, je fais une liste comme à chaque fois. Précision, j'ai juste mis le tome 1 de Fairy Tail, mais sache que j'ai les 36 tomes. Allons-y. C'est vrai que les listes, c'est pratique. Mais après, la pile à lire 95, j'avoue, c'est pratique, tu vois. Mais. Pas le Thibou, allons-y. Hop. Bah ça baisse pas parce que des gens se rajoutent, bah oui. Alors. Oh, il y a du pavé là. En case 1, je te mets le Prieuré de l'Oranger, tome 2. Il y a des sagas, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment pas les espacer de trop. Il y en a, ça va, tu sais, tu peux tenir deux, trois. Moi, c'est pour ça qu'en général, les sagas, j'essaie vraiment de faire un tome par mois quand je lis une saga. Et des fois que je peux pas, mais dans les sagas que je suis, j'essaie de faire ça. Et je sais que par exemple, pour la passeuse de mots, bah, j'ai dû attendre, parce que quelqu'un m'avait dit qu'il m'offrait le tome 2, et du coup, bah, j'ai dû attendre de le recevoir, c'est bien normal. Du coup, j'ai espacé, en plus avec mon concept de book haul, puis de la lire, etc., j'ai attendu plus longtemps. Et heureusement que j'avais quasiment tout en tête, mais il y a eu un truc que j'avais oublié. Donc, ça m'est revenu vite. Mais le Prieuré de l'Oranger fait partie pour moi des sagas qu'il faut vraiment pas attendre de lire pour enchaîner. Sinon vraiment vous allez vite être paumé quoi. Il y en a, ça va, tu peux te permettre. Parce, franchement le Prieuré tardez pas quoi. En case 3, je te mets la Passe-Miroir tome 2. En case 2, je te mets les Sorcières de Pendle et Blackwater tome 2.
Ouais, c'est ça, Junette. J'en peux plus. Et en case 4, le clan Bennett, tome 1, et Interfield, tome 1. Et je sais pas. Non, ça c'est du roman aussi, hein. Ouais, mais je lirai pas de suite, hein. L'univers de Grisha, on peut espacer nos lectures. Je vous conseille pas trop. Honnêtement, il y a quand même pas mal de personnages. Le clan Bennett, tome 1, et Interfield, tome 1. Mais oui, je le lirai le préquel. Et à tout ça, on ajoute Fairy Tail, 2 tomes par case. Attends, je modifie le titre pendant ce temps. Interfi. Ou est-elle me réécrit des titres? Donc Fairy Tail, tome 1 et 2 pour la case 1, tome 3 et 4 pour la case 2, etc. etc. jusqu'à la case 4. Ah, alors Astéria. J'ai lu le tome 1 de Grisha l'année dernière. Après, ça dépend de votre mémoire, hein. Ça dépend de votre mémoire, mais quand c'est dense, avec plein de persos, etc., on perd des choses en fait. Typiquement, la passeuse de mots, j'aimerais bien enchaîner avec le tome 3 rapidement, tu vois. Enfin, rapidement. Je peux avoir 2 mois de battement, mais il faut pas plus. Après, sinon, t'es en mode un peu paumé, quoi. Par exemple, Bribri, un parent, ça va. Ouais, mais Bribri, c'est encore différent parce que chaque tome est différent. Tu as la même famille, mais tu pars sur des vies totalement différentes à chaque fois, donc. J'ai déjà oublié la moitié de Gods of Men alors que je l'ai lu il y a quelques semaines. Ouais. En fait, voilà, quand t'as un univers de fantasy bien établi avec plein de trucs dedans, tu sais, genre si tu le paumes total, c'est chiant. Ah, cool, Astéria. Ok, parfait. On est bon pour toi, Materatsu. Milana 02. J'aurais jamais deviné que ce concept vous plairait autant, n'empêche. Hein. Ça, c'est. Coucou Thibou, perso, tu as carte blanche, laisse ta fibre créatrice emporter sur tout le reste. C'est si épique comme phrase, mais bon, je veux pas te cloisonner. Oh, c'est gentil. Juste une petite demande, c'est de me mettre le sang et la cendre tome 1, j'ai trop hâte de le commencer. Et ben en case 1, le sang et la cendre tome 1. Et elle a mis 19 à Anne tome 5. Oh, 16 pour celui-là, c'est cool. Salut Aiteli, comment tu vas? Dans la même case, je te mets A Forgery of Roses. Non, oh, c'est mignon, Jeannette. Ouattel. Alors, j'ai pas mis Anne en case 1, mais parce qu'elle vient de lire le tome 5. Donc, je vais le laisser espacer un petit peu. Je vais le mettre en case 3, le Anne tome 6. Ah, bah tiens. Oh, parfait. En case 2, je te mets Chronique lunaire tome 2 avec Fable tome 1. Ça va, dessin et moi, et toi? C'est bien, poudre d'étoile. Oh, celui-là, faut que je vous envoie en crash test dessus parce qu'il paraît qu'il est cool, hein. Bah, en case 3, je te mets la chasseuse et l'alchimiste avec Anne. Je vais mettre de côté. Lui aussi. Lui aussi. Le pont des tempêtes qui me tente trop. Ouais. Il y en a plein hein, qui sont tentants là. Pris. Ah, voilà, c'est ça que j'espérais. En case 4, je te mets Akotar tome 2. Avec Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Comme ça, c'est pas le même univers non plus. J'ai pas envie de. Je mettrais bien un autre truc de fantasy, mais Akotar va déjà être assez dense. Ouais, tel est là maintenant celui-là. Et c'est noté, parfait. On est good pour toi. Sassou, j'ai essayé de speedrun pour lire, mais il me reste un et demi. Pseudo Sassou. Bah, t'as le droit, hein? Vous pouvez redemander des devoirs tant qu'il vous reste au moins 2 devoirs. Enfin, au maximum 2 devoirs. Oui, Carpe, il n'y a pas le temps. Hein.
Et bah, regarde, j'en mets plein, les gens reviennent au bout d'une semaine. Au bout d'un moment. J'essaie de pas en mettre 3 tonnes non plus, tu sais, pour pas vous décourager et tout, mais j'essaie de vous faire un truc qui tient la route, tu vois. Ok, case 1, Anne, tome 1. Aucun doute. Oh là, t'es en retard! Avec Calendar Girl, tome 2. Salut, Camille! Plein de gens sont en train de lire Fable, hein. Je te mets en case 3, le Calendar Girl, tome 3. Ben, c'est ça, Carpe, c'est ça, hein. Et avec le Harry Potter tome 4. Et Fable, il est trop bien. Fable, il est trop bien. En case 2, je te mets Kill Harry tome 5 et 6. Et en case 4, les carnets de l'apothicaire tome 8 et 9. Oh, Camille, c'est trop hâte! Calendar Girl, on m'a dit que c'était nul. Vraiment que c'était nul le nul. Voilà. Mais vous les avez, moi je m'adapte. Hein. En case 2, je te mets Les Vampires de Chicago, tome 2. C'est clair, Junette. Oh putain, Les Vampires de Chicago, faut y aller, hein! Purée! Ah, faut avancer ça aussi. Ah là là, t'as plein de choses à avancer. Eh ben, on va avancer. Parce que de toute façon, là, il n'y a plus tant de romans. Attends, Les Vampires de Chicago, c'était le tome 2. Ah, mais si, je vais te faire avancer tes Vampires de Chicago, hein. Non, parce que là, il y a de quoi. Et je te mets Les Vampires de Chicago, tome 3, dans la case 4. Ah oui, Poudre d'Étoiles, en tant que société. J'ai créé ma boîte. Ah, carte nocturne, bonne surprise. Je crois que nos premiers livres de Q, on les a tous eus comme ça. Hein. Vraiment. Ben, en vrai, je me limite à ça. Je vais quand même t'ajouter un petit manga pour la case 1, parce que là, c'est triste. C'est triste tout, tu sais, y a pas beaucoup de vie, quoi. Je te mets Spy X Family, tome 8 à 10, dans la case 1. Voilà. Et on est bon pour toi, Sazou. Pichi! Bonjour Thibaut, j'aimerais participer au devoir de lecture afin de me sortir d'une très longue panne de lecture plusieurs années maintenant. Je trouve ce concept très chouette pour se remettre dans le bain, ça m'a motivé. Ma palle n'est pas immense, mais elle s'étoffe petit à petit, merci beaucoup. Alors là, on sort d'une panne de lecture de plusieurs années, donc je vais clairement pas bourriner. Hein. Ah non, mais je me permets, quand je bourrine, je sais. La base carpe. Alors. Pichi! Putain, si c'est toi, tu es sublime! Alors, on a du manga sympa. Un petit peu de cucu. Du manga très sympa. Oh! Yona. Salut Mira! Comment tu vas? Alors, Pitchy. En case 1, je te mets Arte tome 1 avec Assassination Classroom tome 1. En case 2, je te mets Banana Fish tome 1. Que un manga, mais il est plus gros que les autres. Donc comme ça t'en fait un. En case 3, je te mets Blue Flag tome 5 et 6. Et en case 4, Moriarty tome 1 avec Orange tome 2. En manga, on est bien. Même s'il y en a. Ah non, il y a Yona, faut que je te mette Yona. Bon, on va rester sur ça, tant pis. Je veux pas t'en mettre trop. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, je te mettrai Yona. Orange tome 2. Ouais, nickel. Maintenant, en roman. Il m'en faudrait un qui soit assez court. Alors, attends, il y a Heartstopper, clairement. Ou alors, je te fais une petite session manga sympa. Ce que je vais faire. En case 1, je t'ajoute Seule la mort attend la vilaine, tome 1. Pourquoi pas? Avec Heartstopper, tome 1.
Comme ça fait une case, on va dire, que des petites lectures légères sympas. Seule la mort attend la vilaine, tome 1, et Heartstopper, tome 1. En fait, ce qui m'inquiète, parce que tu as de très bonnes lectures, genre Sorcery of Thorns, Prince Captif, je l'ai pas lu, mais je sais que la plume est bonne. C'est juste que j'ai peur que si t'as pas lu depuis longtemps, ce soit dense pour reprendre. C'est pas là, tu vois, c'est pas des plumes les plus simples à reprendre, mais elles sont très intéressantes, donc je pense que ça peut quand même matcher. En case 2, je te mets Sorcery of Thorns. Oui, désolé, Scylla, c'est toi en plus. C'est toujours Scylla qui se tape les titres longs. Et Wattel, elle a des titres chelous. Ça, en case 3. Je sais ce que j'ai envie de mettre et je sais ce qu'il faudrait. En case 3, je vais mettre Prince Captif. Il faut enchaîner les tomes 1 et 2. Donc ça fait 540 pages en tout. On m'a bien dit qu'il ne fallait pas stopper entre les deux. Et en case 4. On va partir sur une braise sous la cendre. Jeannette a été une élue, Mira. Et t'es bon, c'est bon, Pitchy. Ah, mais je t'ai pas mis Yona du coup. Ou alors je t'enlève une braise sous la cendre et je te mets Yona. Qu'est-ce que tu préfères? T'as une préférence, Pitchy? Est-ce que je t'enlève le dernier roman et je te mets 4 mangas? Ou est-ce que je te laisse comme ça? Ok. Alors j'enlève une braise sous la cendre et je te mets Yona, tome 1 et 2. Avec True Beauty, tome 2 et 3. Comme ça, c'est bien. Je pense que ça fera moins de romans, tu vois. Comme ça, t'as deux cases full, petite lecture sympa et deux romans. Dracolos. Hop. Je prends mon temps pour les nouveaux élèves pour pas les traumatiser, hein. Après, une fois qu'ils sont habitués, bam! T'inquiète, Pichi, t'inquiète. Bonjour, oh ça c'est bien. Donc voilà, après plusieurs mois, donc pas mal de cadeaux achats sont passés par là depuis avec ton influence pour la majorité d'entre eux. Bon courage pour choisir, bon stream à tous. Allons-y. Dracolos, du coup, il lui en reste deux, c'est parfait. Il lui reste quoi? Anne et Blackwater. Ok. Oui, mais tellement non, ça dépend des gens. Oh, ça me plaît bien ça. Alors, en case 3, je vais te mettre Fable tome 2. Avec Grimoire Noir et l'attaque des Titans, tome 14. Exactement, Lisounet. Mais oui, Pri-Pri, voilà, ça dépend. Alors, Fiona, c'est juste qu'ils claquent leur pognon, hein, vraiment. Enfin... Grimoire Noir et l'attaque des Titans, tome 14. Avec Fable, tome 2. Quelle rapidité, Wattel, plus rapide que le vent! Je vais l'appeler pile poil. En case. Attends, je vais regarder le tout d'abord. En case 2, la vie invisible d'Addie LaRue. Parce que si je la mets pas maintenant, je la mettrai jamais. T'en es à où? Est-ce que t'es là, Dracolos? Yuri, ça ne m'étonne pas. Je crois que Dracolos n'est pas là. À chaque fois, ces sagas, je vous demande où vous en êtes parce que. Oh, ça fait très printanier. En case 1, je te mets The Sky Blues. T'as lu les deux premiers. Dracolos, tu es là, c'est merveilleux. Je suis ravie. Du coup, en case 1, je te mets The Sky Blues avec Pauvre âme en perdition. Qui est donc le tome 3. Avec La vie invisible d'Addie LaRue, je te mets Spy X Family, tome 8 à 10. En général, j'ai mes deux mangas, mais là, il y en a trois, donc on va pas... Voilà. Merci pour le follow, Oday!
Mais Fiona, c'est que tu lis bien. T'as un bon rythme. Et en case 4, je te mets Akotar, tome 3,5. Alors, normalement, ça se passe à Noël, mais clairement, je vais pas attendre 6 mois pour que tu lises la suite, hein. Faut pas déconner. Et dans la même case, je te mets Enchantment of Ravens. Avec L'Oiseau d'or de Canis, tome 1. Non, Louise, j'ai été trop malade, j'ai pas pu tourner en avance. Tu me fais penser qu'il faut que je mette un message sur la chaîne Tibookin. Si les modos, vous pouvez m'y faire penser au pire tout à l'heure. J'aurais dû le mettre plus tôt d'ailleurs. J'ai pas tiqué. Je l'avais dit avant-hier, en mode comme ça, mais j'étais malade donc j'ai pas pensé. Et on est bon pour toi, Dracolos. C'est possible, Fiona, c'est possible. J'aimerais bien de nouveau te voir. Allons-y pour Luna Green Gables. J'aime toujours autant ce pseudo. Luna 3006. Devoir terminé. Merveilleux. Alors. Coucou Thibaut, je reviens pour de nouveaux devoirs. J'ai terminé tout ce février. J'aimerais bien avoir Nevernight tome 2 et 3. Tim, j'enchaîne les tomes de saga. Ainsi que mes emprunts médiathèques qui sont indiqués. Je t'ai fait une liste pâle pour t'aider. Parfait. Alors tu dis que t'enchaînes. Oui, apparemment t'enchaînes. Alors en case 1, Nevernight tome 2. Et en case 3. En case 2, pardon, Nevernight. Non, non. Si. En case 1, Nevernight tome 2. En case 2, Nevernight tome 3. Alors, emprunt médiathèque, elle a dit qu'elle les avait indiqués. Oui. Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. C'est Kali qui reprend. Ok. Très bien, t'as bien suivi. En case 1, je te mets. Du coup, là, on part sur les emprunts médiathèques en priorité. Hein. En case 1, BD, les enquêtes d'Enola, tome 7. Merci Yutsuna pour le follow! Layla, c'est peut-être un peu trop honnête. Tu sais, genre, imagine, t'es en train de coucher avec ton mec, t'es en mode « Oh, pardon, ça faisait 5 minutes, je pensais à autre chose. » Tu vois, il y a des choses, faut pas les dire, tu vois. Genre, il n'y a pas d'utilité. Toujours, le cul, c'est vachement parlant pour moi, tu sais. Dans la même case, Kali, tu lui mets, s'il te plaît, Dracula en BD. Bah oui, c'est trop honnête. Bah oui. Dans la case 2. Alors, du coup, pour que ça rentre et que tu les rendes assez vite, je vais te mettre les trois restantes. Il y a trois BD qui arrivent, Kalika, Le Souffle du Géant. Le Souffle du Géant, Entre Neige et Loup et Pocahontas. Le Souffle du Géant, Entre Neige et Loup et Pocahontas. Et ça, c'est dans la case 2. Les trois sont des BD. Entre Neige et Loup, Le Souffle du Géant, Pocahontas. Tu peux tchou. Parfait. Attends, Pocahontas, elle a qu'un seul C. Bichette. Parfait, Makali. Ensuite, bon, du coup, c'est une très grosse case 2, hein. En case 3, je te mets la chasseuse et l'alchimiste. Oui, fable, c'est en jeunesse. Ouais. Et je te le mets avec Globule, tome 1 et 2. Je vais moins bourriner les autres, du coup, hein. Parce que là, j'ai essayé de faire caser tes... J'ai casé tes emprunts médiathèques. Et en case 4, je te mets... Elle l'a vraiment fait, Junette, tu fumes. Et en case 4, merci du coup. Et en case 4, je te mets Sous les étoiles de Bloomstone Manor. C'est un long titre. Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Bloomstone, pardon. Avec Cirem et l'oiseau maudit. Est-ce que tu t'en sors, Makali? Cirem et l'oiseau maudit et Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Je ne sais pas comment elle est sur la case. Oui!
Oh, c'est beau! Bon, alors Bloomstone Manor, il a souffert, mais c'est un nom propre, c'est compliqué. Merci beaucoup! C'est bon pour toi, Luna. Coucou Thibou, il me reste deux devoirs, du coup je viens redemander. Tu as une liste pâle Thibou et tu peux choisir autant de livres que tu veux. Pseudo livre addict, Baba le nain. Oui, Baba le nain me manquait. Comment va mon Baba le nain? Bisous Gigi! Bisous Dracolos! Lysandre? Ah bah, elle va être bien infusée là. En plus, c'est ta tour, c'est ton tour! Va chercher ton infusion, Lysandre, vas-y, vas-y. 41, putain. C'est de la. Là, y a du choix, tu vois. Là, y a de quoi faire. Mais t'inquiète, Kali, t'inquiète, t'inquiète. Il nous reste plus que 28 demandes. C'est pas grand-chose. Avec plaisir, Luna. Ouais, ça va, ça va. Je suis toujours malade, mais ça va mieux. Oh là là, y a déjà trop de trucs qui me tentent. Ok, case 1, Anne tome 3. Et case 4, Akotar tome 4. Ah, ceux-là, faut que je les case. En case 2, Vespertine et la vie invisible d'Eddy Larue. Oui, je bourrine. Oui. Ça va être Vespertine et la vie invisible d'Eddy Larue. Et dans la case 1, avec Anne, je mets The Sky Blues. En case 3, je te mets Déraciné. Et Twin Crowns. Lisandre, il prend. Non mais Lisandre, il prend le temps de répondre aux gens du chat! Ça me fume! Non mais regarde! Mais ce mec est au-dessus du game, quoi! Laisse tomber! Il n'est même pas humain en fait, tu vois, c'est. Et vu que je vais pas laisser Akotar tome 4 tout seul, je te mets Vanitas tome 1 et 2. Lisandre! Ah ouais, Camille? Tu sais que j'avais hésité à l'acheter, j'étais pas sûre que j'allais kiffer. Ok, c'est good pour Baba. Même si je regrette un peu tout ça, mais je ne peux pas tout mettre. Hein, donc au bout d'un moment. Déjà là, je t'en ai mis deux par case. C'est la nouvelle loi maintenant, tu vois. Silver Moon. Je vais essayer d'avancer. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas baissé depuis tout à l'heure. Mais c'est parce que d'autres gens ont demandé aussi. Hein. On baisse, mais les gens se rajoutent. Donc forcément. On ne peut pas s'en sortir. Silver Moon. Ouais, tu m'étonnes, Little. Coucou Thibaut et tous les choups, j'ai fait trois listes pour mes livres dans ma palle. Thibaut, tu peux en prendre dans toutes sauf dans la VO, car je suis en train de lire Harry Potter 5 en anglais, donc le temps de digérer, voilà, sinon fais-toi plaisir. Ah oui, il y a plusieurs listes carrément. Ah ouais. Ah, relecture, flemme, hein. Je vais te mettre que des premières lectures en fait, Silver. Hein. Sauf si tu tiens vraiment à ce que je te mette des relectures, mais. Shellra, je te recommande mes updates lecture. Vraiment, t'as de quoi faire. Hein. Tu m'en mets toujours deux par case. Tant mieux! Alors, eh ben on est parfait. Case 1. Oh, putain, Kali, à chaque fois, c'est toi qui tapes les gens où il y a 36 personnes. Kali, elle débute encore, tu vois, dans l'art de prendre des notes. En case 1, je te mets Autre Monde, tome 4. Avec A Forgery of Roses. J'aime bien parce que j'ai demandé au Cux quand est-ce qu'il pensait que je devais faire le stream entre 15h30 et 16h30. En sachant que je suis pas supposée faire trop longtemps pour pas me fatiguer non plus de ouf parce que j'étais quand même en PLS hier. Il me dit, oh, 16h30, comme ça je t'arrêterai pour dîner de toute façon, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc à tout moment il débarque. Hein. Ah, mais Kelly est grave rapide, regarde là! Elle a noté les deux directs, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle s'améliore beaucoup plus vite que je ne moi-même l'anticipe. En case 2. Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de choix là. Les Misérables tome 5. Voilà. Déjà. T'as vache de classique, hein? Et Akotar tome 1.
Non, il n'est pas tombé malade, Vic. Mais il l'était avant. On s'est fait un relais de maladie. Dans la case 3, on va partir sur Orgueil et Préjugés. Avec. Et bon, on va prendre au pif, hein. Le train de 16h50. Oh bah en partie 5, j'espère, Préprise, ça doit être fini normalement là. Et dans la case 4, j'ai très envie de te mettre les rêveries du promeneur, enfin, rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Avec le Horla. Ah, je suis peut-être allée un peu vite. Oh non, regarde comment elle s'en sort très bien. Rêverie du promeneur solitaire et le Horla. Et c'est bon, Silver! Je suis là pour mes premiers devoirs, j'ai enfin accumulé assez de livres pour que tu puisses choisir un minimum. Lysia! J'arrive comme un tourbillon! Nouvelle élève. Pseudo Twitch, c'est Quet Quet! Oh, wow! Très bonne note. Elle est trop belle. Mais les éditions anglaises, c'est indécent. Lysia, n'oublie pas de m'envoyer une demande d'amis. J'aime bien quand on est amis. C'est juste que comme ça, je vois vos petits messages quand vous en mettez. Alors. Oh, tu l'as acheté! Oh, je veux un retour! C'est une nouvelle élève, je vais essayer de ne pas la faire fuir, d'accord? Case 1, je te mets Anne de Green Gables. Anne tome 1, quoi. Avec Alice au Pays des Merveilles. J'en mets deux, mais parce que Alice se lit vraiment très bien. Hein. C'est deux livres assez courts, on va dire, pour le coup. En case 2. Je te mets fabricant de larmes, parce que je veux un retour. N'oubliez pas de faire des retours sur Discord hein, de vos lectures. On a un salon devoir lecture exprès, comme ça les modos peuvent s'occuper du tableau, puis moi j'ai mes petits retours. Enfin, entre vous d'ailleurs aussi. Merci pour le follow, Jade. Fabricant de larmes, du coup, tome 1 pour la case 2. Pour la case 3, je te mets la nuit où les étoiles se sont éteintes. Avec Love Story. Parce que je veux aussi un retour, puis il fait 400 pages. C'est pas très long, 400 pages. C'est pas très long. Comment ça, t'essaies de l'identifier? Je suis pas dur à identifier, wesh. La nuit où les étoiles se sont éteintes, il est très très bien, tu vois. Très très bien. Et en case 4, je te mets La Passe-Miroir, tome 1. Oui, bon, lui, il est gros. Lui, je le laisse tout seul. C'est pas qu'il est gros, c'est qu'il est dur à digérer, tu vois. C'est. Avec plaisir, couette couette. Ah ouais, hein, mais Lilith, je l'ai en pile à lire général. J'ai trop hâte de le lire aussi. Nanou, je vais des devoirs, je termine les miens. Avec plaisir, j'arrive. Nanou, qu'elle en est? Devoir terminé, les modos valides. C'est good, c'est fait. C'est plié. Coucou Thibou. Oh! Ayant fini mes premiers devoirs de lecture, je reviens pour te redemander. N'hésite pas à charger, j'aimerais juste que tu ajoutes L'Oiseau d'or de Canis, tome 4. Je l'ai, mais je ne le trouve pas sur Livre Addict. Et le cœur sur la table. Très bien, bah du coup, dans la case 1, le cœur sur la table et L'Oiseau d'or de Canis, tome 4. Cœur sur la table, du coup, c'est un essai. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à échelonner vos lectures avec l'essai. Hein. Il n'y a pas de saison pour Anne. Ça couvre plusieurs années de sa vie, en fait, à chaque fois. Du coup, ça se lit vraiment toute l'année pour Anne. Il n'y a pas de. Donc, L'Oiseau d'or de Caïnis, tome 4 et Le cœur sur la table. Voyons pour Nanou. Ah, bah tiens, dans la case 1, je t'ajoute Anne, tome 1. Parce que là, il n'y a pas de roman. Hein. On va pas me couiller comme ça. Hein. Ah, mais ça, on va attendre l'automne maintenant. Par contre, Jane Eyre. Oh, ah oui, non, mais là, oui, mais là. Non, mais là, on veut ma mort, là. Non, mais trop de choix. Oh, Bûcher sous la neige. Oh, mon Dieu. C'est pas une nouvelle élève, c'est pas une nouvelle élève. Je peux donc bourriner un petit peu. En case 2, je te mets La vie invisible d'Addie LaRue. Avec Un bûcher sous la neige. Oh, Shelra, ça me fait trop plaisir. Je suis très contente que tu te sentes bien avec nous. Si, mais en fait, je me rappelle plus du tome 1, Poudre d'étoiles, donc il faudrait que je relise le tome 1 d'abord.
Parce que vraiment, hein, je l'ai lu il y a des années, j'ai total zappé. Là, pour le coup, on est sur une vibe assez sombre. En case 3, je te mets la maison au milieu de la mer Céruléenne. Ah, des trucs que je te mets très bien, mais ça fait trop, quoi. Est-ce que t'es là, Nanou? Et en case 4, la passeuse de mots, tome 3. Ah, tu es là! Est-ce que je te bourrine ou là ça te convient? Parce qu'en soi, bon, je vais quand même t'ajouter de toute façon Lou Sonata tome 1 quelque part. En case 3, genre. Tu peux mettre, ne t'en fais pas. Ok. Alors, attends, il manque un P, ça me tend. Donc je t'avais, voilà, Lou Sonata tome 1 dans la case 3. Mais quelle rapidité, Kalika! J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Ah bah tant mieux, Elisounette. C'est un bon update. Oui, bon, j'avoue, Gaïa, c'était pas très élégant. Du coup, après la maison au milieu de la mer Céruléenne, je te mets la voleuse de livres. Oui, bon, ça va te faire un... Mais après, comme t'as la passeuse de mots, ça va te remonter, tu vois. Et je t'ajoute Jane Eyre après la passeuse de mots. Donc, je sais plus ce que j'ai dit. La voleuse de livres après la maison de l'univers. Voilà, très bien. Alors, attends, Lou. Lou a pris un P. C'est un prénom. C'est un prénom, Lou. Et il n'y a pas de N. La pauvre, elle fait à l'oreille, forcément, elle n'a pas le titre sous les yeux. Donc, Lou, ça n'a pas. Lou s'est fait renommer en animal. Et dans la cascade, du coup, c'est Jane Eyre. Ça te fait une très grosse palle, du coup, hein, clairement. Et c'est bon pour toi. Ninali, pour Lola Cosenza. Premier devoir. On a beaucoup de nouveaux élèves. Hein. C'est fou, tous ces nouveaux élèves. Hein. Ça ne s'arrête pas, nous, la rentrée, c'est toute l'année. Ça fait un peu titre de bordel, aussi, ça. C'est genre... Bon, bref. Pilali, oublie pas de m'ajouter en ami, aussi, hein. Oh! Très bien. Ah, les misérables. Du petit manga, du Star Wars, grande fan de Star Wars. Je comprends, Shaira, je comprends. Ma nouvelle bio Tinder. Alors, en case 1, je te mets la passeuse de mots tome 1. Je vais pas bourriner trop parce que, pareil, c'est une nouvelle élève, je ne vais pas la traumatiser, hein. C'est fou parce que c'est Lisande qui se tape les gens que je veux pas traumatiser, c'est Kalika ceux à qui je bourrine, alors que ça devrait être l'inverse, tu vois, en termes d'habitude. En case 2, je te mets au service secret de Marie-Antoinette, tome 1. Eh bah, ben, oh Camille. Eh bah, ben, oh Camille. C'est mal. En case 3, je te mets Misérable, tome 1. Est-ce qu'il y a un ordre pour ça ou... Non, je crois pas. Hein. Non, je vais pas te mettre les misérables. Je vais pas te mettre les misérables. En case 3, je te mets Star Wars, l'ombre de la reine. J'espère que c'est pas un ordre, hein, parce que... Navré, pris. Ah, mais je vais pas la décourager, tu vois. Si elle débute. Je sais pas encore si elle lit beaucoup ou pas, tu vois. Et en case 4, je te mets... Non, je vais pas lui foutre deux gros pavés de 1000 pages quand même. Le tribut des dieux, tome 1. Eh bien, poudre d'étoiles, faut y mettre. Oui, j'en ferai un demain, Aurore. Et je t'ajoute en case 1, My Home Hero, tome 1. Et en case 2, My Home Hero tome 2. Et en case 3, My Home Hero tome 3.
Ah, vous reprenez tous demain? Je suis deg, du coup j'ai été malade pendant vos vacances quoi. Vraiment, je pouvais pas choisir une meilleure semaine. Trop cul. Et on est bon. C'est bon pour toi, Niniali. Sacha, bonjour tout le monde, pseudo Libradit, un chapeau lecteur. Ah, je connais ce pseudo. Je connais, devoir terminer, merveilleux. Hop. Oh, il faut que j'avoue. Team pas de vacances. Ah oui, ça c'est les vieux, ça. Il y a une palle exprès pour toi dans les listes, tu peux blinder, j'ai un bon rythme de lecture. Nice. Alors. Oh, il y a des trucs sympas là-dedans. Case 1, Anne tome 2, avec Inuyasha tome 3 et 4. C'est le retour de Lysandre? C'est le retour de Kalika! Pauvre! Anne tome 2, avec Inuyasha tome 3 et 4. En case 2, je te mets les chroniques des fleurs d'opale, tome 1. Les chroniques des fleurs d'opale, tome 1. Lissant, t'es quoi? Avec Frieren, tome 3 et 4. Frieren, tome 3 et 4. Dans la case 3, je te mets Où est la vraie vie? Après, avec À l'image de Mona Lisa, en manga. Où est la vraie vie et À l'image de Mona Lisa, tome 1. Et en case 4, je te mets Four Dead Queens. Quatre reines mortes, quoi. Avec Isabella Bird, tome 1. Je vais le redire doucement. Four Dead Queens. Avec Isabella Bird, tome 1. Et Vampire Knight, tome 1. Exactement, c'est ça, Maloxinia. Twisted Tale, il n'y a pas d'ordre. Bienvenue Gaevara, bienvenue pour ton, merci pour ton follow. Est-ce que tu danseur Kali? Pour chapeau. Oui. Oh, mais pff. Bon, je te laisserai corriger les petites fautouilles, hein, parce que là c'est Vampire. Vampire, ça a changé. Hein. Malika, salut, il me reste juste à finir le rouge et le noir, je suis plus à de la moitié, donc je voudrais de nouveau devoir. Mon pseudo, c'est Malika 1130. On y va, c'est Tipar Gaspard. Ah, j'ai un rythme là. Bam bam. Hein. Salut Thibaut, merci d'avance pour les devoirs. Tu pourrais mettre Aristote Dante dans les devoirs car il est emprunté à la bibliothèque. Case 1, Aristote Dante. Oh bah. Avec Blue Period, tome 9 et 10. C'est bien parce que les gens sont en train de s'étouffer, mais ils notent quand même. Ça me fume de rire. Ah, il y a full manga là! Eh ben, on va tout mettre. En case 2, on va remonter du début. Arte, tome 16. Avec Boys Run the Riot, tome 4. Lisande. Lisande le Vampire. Case 3, I was born for this. Avec Le prince et la couturière. Et Les sœurs Grimillet, tome 3. Est-ce qu'il s'est perdu ou est-ce qu'il te suit? Je suis allé vite, hein. Putain, il les a eus. En case 4, Percy Jackson, tome 1. Donc en comics. Percy Jackson, tome 1, avec Orange, tome 7 et Loup, tome 2. Non, Gaïvara, c'est sur le site Livradict qu'on fait. C'est encore plus simple, comme ça tu peux la consulter toi-même.
Lou, tome 2, Orange, tome 7, Percy Jackson, tome 1, en comics. Je savais même pas qu'il y avait un comics. Eh ben, tu vois, moi non plus. J'ajoute, parce qu'on va bourriner, hein. En case 2, Simone Veil, en BD. Orange, je l'ai pas. Ah! Ça ne change rien, les notes Simone Veil. À la place de Orange, tome 7, tu me mets Vampire Knight, tome 3. Non. Tome 5 à 7 dans la case 4. Vampire Knight, tome 5 à 7 dans la case 4. Et dans la case 1, Vampire Knight, tome 3 et 4. Tiffany qui répond à Pando. Et Percy, c'est le roman. Ah, et bah ça change rien, je te laisse quand même tout ça. Bah du coup, c'est Percy Jackson, tome 1 quand même. Ça va juste être un peu plus long. C'est good pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, poudre d'étoile? À quel moment? C'est pas comme si vous aviez une date de fin. Bravo, Lisande, tu peux être fière. Bisous, Jeannette. Aurore, bonjour Thibaut, comment te sens-tu aujourd'hui? Merci pour ce que tu fais. En revanche, notre porte-monnaie ne pense pas qu'il te remercie. Notre porte-monnaie, je ne pense pas qu'il te remercie. Mais enfin, bref, j'ai fait une liste avec un message au début. Pour toi, Livradic, mon pseudo, c'est Aurore Passion Livre. Ah, c'est cool, Maryse. Du coup, apparemment, il te reste trois devoirs. Aurore? Attends, je vais regarder un peu. Normalement, c'est deux ou moins les devoirs, hein. Peut-être qu'elle m'explique, donc je vais aller voir. Je sais pas si elle est encore là. Ah, il y a un espace. Pourquoi j'arrive pas à remonter? Attends, il y a un truc qui passe. Pas? Pourquoi j'arrive pas à remonter avant? Copier. Bah non, j'ai pas son pseudo d'avant. Ah, c'est pas des devoirs! Bon! Mais du coup, je t'ai jamais donné de devoir à toi? C'était premier? T'inquiète, Maïka, t'inquiète. Tu vas te perfectionner avec le temps. Non, Théo, ça ira. Ah, l'année dernière! Ah, c'est toi qui avais eu des devoirs il y a perpète? Mais je comprends pas pourquoi on ne trouve pas. Ah, t'as peut-être changé de pseudo, du coup. Parce que du coup, il faut que les modos puissent te retrouver pour barrer ta ligne d'avant. Et j'ai pas ton message, par contre, je vois pas pourquoi. Bah ouais, t'avais noté un truc si là, mais il est plus. Dans la liste. Ah! Thibaut, liste devoir 2023. C'est très précis. Pour Thibaut, peux-tu choisir 6 livres parmi la liste pour que de mon côté je les ajoute à ma pioche à livres de printemps? Je peux! Bah écoute, partons là-dessus, hein. Mais est-ce que du coup, t'as déjà. Du coup, c'est réglé, Scylla, c'est bon? Parce que je comprends pas qu'on retombe pas sur elle quand on cherche son truc. Alors, case 1, je te mets Gardien des Cités Perdues, tome 1. Avec facétie de chat. Merci, Scylla. En case 2, je te mets La Maison de la Nuit, tome 5. Ouais, je vais pas pouvoir vous faire tout se passer, les gars. Je pense que ça va être chaud. Je vais me battre, hein, mais. En case 3, Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, tome 1. Oula, Kalika, je t'ai perdu? Ah non, c'est bon.
dans la même case Dark Divine, tome 2. Et en case 4, Le Loup de Riverdance, tome 1. Avec La Maison de la Nuit, tome 6. Bisous Camille, bonne lecture. Hop, c'est bon pour toi, Aurore. Andolix, n'ayant pas pu passer mercredi dernier en devoir, je reviens aujourd'hui. Allons-y. Parce que mercredi, j'ai essayé de prendre un peu. Ah, il y en a plein en plus, c'est les premiers devoirs, les pauvres. Je vais pas les abandonner. Ah, cool, Scylla. Bien joué. Coucou Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais n'avoir qu'un livre par case pour mes premiers devoirs si possible, pour éviter d'être découragée si j'avance pas assez. Sachant que j'arrive en période de bac blanc, le temps va m'être restreint. Si tu pouvais éviter de mettre les Twilight et les enfants particuliers, je me sens pas dans le mood de les lire. Ça marche. Oh, Caraval, c'est pas mal pour la saison, ça. Alors, pensons saison. Case 1, La vie invisible d'Addy Larue. Case 2, Caraval. Celui-là, j'aimerais bien le mettre. Mais un truc, c'est que... Ouais, voilà. Alors, Le Petit Prince, je me permets de te l'ajouter en bonus, hein. Parce que... Petit Prince, c'est un petit petit. C'est tout petit, Petit Prince. Recali. Ah, Emeline, on s'arrête plus, hein. En case 3, je te mets Darkrise, tome 1. Et avec Caraval, je te mets Le Petit Prince. Parce que pour le coup, c'est un petit bonus, hein. Et en case 4, je te mets Les Sables d'Araouia. Hop, j'ai respecté la demande à une petite exception près. Judou, coucou Thibou, il me reste deux devoirs, bientôt un, du coup je viens en redemander. Allons-y Judou. Ah bah non, c'est pas ses premiers devoirs du coup à Judou. Mais les gars, vous avez fumé du pchit? Non, vous avez mis, il y a un tiré en trop. C'est ça le... Il y a un tiré en trop. Hop. Hop. Caraval, de mes souvenirs, il était sympa. Hein. Bah, attendez, je vais modifier. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Hop. C'est un long truc. Non. Eh ouais, poudre d'étoiles, c'est clair, hein. Alors, Judou. Il n'y a pas de Anne. En case 1, je te mets Campus Driver, tome 1. Avec Bridgerton, tome 3. Oh, c'est mignon, Lilith. Tu passes quand, toi? Putain, je te vois même pas, meuf. Je te vois pas. T'es où Lilith? Ah putain, oui, t'es loin. Bon, on va voir, on va voir. Ne désespère pas encore. Pour le Bridgerton, j'ai pas lu le tome 2. Ok, alors Bridgerton, tome 2. En case 3. Aristote et Dante, tome 1. En case 2, My Rules. Computer Driver, je tombe 1, je crois que j'ai déjà en devoir. Quand vous avez déjà des livres en devoir, les gars, mettez-les dans vos lectures. Comme ça, je vous les refous pas. Alors, Campus Driver, tome 2. À la place de la case 1. Et dans ce cas-là, on va permuter, s'il te plaît, excuse-moi, mets-moi Campus Driver, tome 2, à la place d'Aristote et Dante. Fais-moi un switch. Parce que du coup, si il faut encore que... qu'elle lise Campus Driver maintenant, je vais pas te faire enchaîner les deux. Ce serait pas ouf. Mouna, t'es bientôt. T'es la prochaine. Ensuite, ensuite, ensuite. Il y a beaucoup d'amour, hein. Ouh là là, ça aime l'amour ici. Ça aime l'amour de fou. En case 4, eh ben, je vais te mettre Ugly Love. Oh non, Too Young. Il y a du cul. T'es bien du cul.
Mouna! Coucou, tu bouges, je suis contente d'assister à plus de live en ce moment, j'aimerais bien avoir des devoirs. Allons-y, Mouna. Hop, critère important. Ah, oh, bah oui. Hop. Ugly Love porte bien son nom, j'avoue, je l'ai rejeté. Mouna! C'est bien toi, oui, c'est un petit mot. Coucou, tu bouges. Ah, oh, attends. C'est fini! Il y a un chat qui gratte. Ah. On ne gratte pas. Où tu t'es barré? C'était poupette. Ouais, poudre d'étoile, c'est vrai. Coucou Tim, j'espère que ça va. J'ai juste quelques précisions et demandes à te faire. J'aimerais que tu ne mettes pas trop de romans. Je lis assez doucement sur tous les pavés. Ça va, c'est pas beaucoup. Alors, Gaïvara, t'inquiète, tu vas t'y faire. Hein. Au final, on s'y fait vite. Oh, t'as des lectures sympas, toi. Case 1, fable tome 1, avec 47 cordes et blanc autour. Ah, il est cool, hein, Théo. Case 2, Gods of Men, avec Jujutsu Kaisen, tome 1 et 2. Oh, c'est pas vrai! C'était Merlin, en fait, t'as accusé ta... T'as fait, tu m'as laissé accuser ta sœur! T'es vraiment crevard! Allez, à la rue. Chat indigne. Je rêve, mais quelle bande de ruffians. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Quel fils de lâche. C'est mon fils, j'ai le droit. Oh, je rêve. Bon, pardon, j'en étais où? Alors, je suis Gaïsen. Non, mais je rêve. L'autre, il gratte et oh, il se barre avant pour que j'accuse sa sœur. J'hallucine. Vraiment un fourbasseau. Oh, ça c'est pas mal ça. En case 3, je te mets la passeuse de mots. J'ai chaud. Enfin, j'ai chaud, non, je suis essoufflée. Et en case 4, la nuit où les étoiles se sont éteintes avec l'histoire de la reine de cœur. Non, avec le pouvoir. J'ajoute dans la case 3 la sorcière aux champignons, tome 1. Je vais quand même au bout. Très bien. Et j'ajoute aussi Shadows House tome 2. Hop. Dans la case 3, pardon. J'ai pas dit. La sorcière. Ah non, c'était case 3. Wattel! La sorcière aux champignons, c'était case 3 aussi, hein. Shadows House, tome 2. Et La sorcière aux champignons, tome 1. Bravo, poudre d'étoile. Moi, je le savais le faire, mais j'ai oublié. Et en case 4, j'ajoute Demon Slayer, tome 1 et 2. Et c'est parfait. Adjugé vendu. Hop là! Dilio pour son premier stream de voir et les Eliexi en pseudo Twitch. Hop. Il y a un tableau Mouna, il sera en rediff, il sera dans la description de la rediff Twitch YouTube, mais sinon il est là et il est épinglé aussi dans le salon Discord. Dilio. Allons-y, j'y crois. Ça va, c'est court. Quand vos piles à lire sont courtes, j'y crois. En case 1, la fournaise tome 2. Avec Orange, tome 7. Premier devoir, donc je vais pas. Vous savez, connaissez Anne maintenant. Avec les devoirs, premier, je suis raisonnable. En case 2, All the things we never said. Là, vous avez le lien, j'avoue. Mais t'as raison, Manon, t'as raison. Fonce. Mais non, faut pas Shaira, pourquoi?
Avec ça, je te mets Jujutsu Kaisen tome 18. En case 3, je te mets Clara and the Sun. Clara avec un K. Et en case 4, Prince Captif tome 1 et 2. Clara and the Sun, Prince Captif tome 1 et 2. On est bon pour EXA. Little Manon! Hop, j'arrive. Misty Tati. Et on fait ce qu'on peut, hein. T'es clairement. Si vous voulez. Oui! Allons voir. Pas le devoir. Donc les BD en prio, hein. Oh, couple of cuckoos! Me fait rire celui-là. C'est rigolo. Ok, très bien, effectivement. Il y a pas de y a peu de doute. Il y a certains trucs, il y a peu de doute, hein. Ok, case 1, je te mets Fable tome 1. Qui c'est qui écrit? Wattel. Allez les girls, on essaie d'aller à fond. On finit en beauté. Ah, moi j'en vois 17 si là. C'est normal? Dans la case 2, je te mets Akotar, tome 1. Ah, t'as vu, je l'ai mis en deuxième. Ah. Avec Magus of the Library, tome 4 et 5. J'en veux 24. Ah non, non, il y a 17. Il y a 17. Non, non, mais limitez-vous à ça déjà. En case 3, je te mets. Ah non, ça sort pour après. Lux tome 1 avec H tome 1 et Arcana tome 1. Non, il n'y a pas de temps limité. Je sais pas encore, Lisandre. Ça me paraît ambitieux d'aller au bout, il reste 17 quand même. Hein. Mais je vais essayer d'aller au max, tu vois. Très, quelle rapidité! Oh là là! Je rajoute dans la case 1 Darwin's Game tome 10 et Couple of Cuckoos tome 3. Couple of Cuckoos, tome 3, Darwin's Game, tome 10. Et il me reste la case 4, dans lequel je vais mettre Vampire Academy, tome 4. Avec Adabana, tome 2 et 3. J'ai bien mis fable, hein. Oui, c'est bien. Et fruit de basket tome 2. Et ben ça sera pour la prochaine fois. Attends, il reste une BD qui me manque? Non, ça va, c'est un roman. BD, je t'ai mis les deux en haut, je crois que c'était les deux en haut, et il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. On est pas mal! On est pas mal. Adjugé, Little Manon. Ruby l'a fait! Fini les devoirs, c'est bien. Bonne fifi, bonne. C'est quel tome? Ah! Deux. De qui? Il te manque le tome de qui? Ah, Couple of Cuckoos, tome 3. Merci Mouna! Passe une belle soirée. Ruby l'a fait. Waouh! Oh, tu m'étonnes. Ah, tant mieux. Ok, donc il faut au moins tous les 6 livres reçus dans la cube. Alors, par contre, je vais pas ajouter les 2 livres que tu es en train de lire, que tu as pris hors devoir. Tu les lis de ton côté, c'est très très cool. Mais tu commenceras les devoirs quand tu auras terminé tes 2 trucs en ce moment. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, je vais pas les ajouter dans mes devoirs, mais tu les as lus de ton côté, ça n'a pas de sens. Ok, très bien. Alors, donc ça, c'est à classer en priorité. Donc, case 1, je mets. On va voir qu'il y a beaucoup de BD. Alors, attends, on va faire autrement. On va faire autrement. On va prendre la pile à lire. Dans... Ah, mais elle a, du coup, elle a tout mélangé. D'accord. Est-ce qu'il y a du roman ou est-ce qu'on est full BD jeunesse?
Il y a un peu de manga. Ok. Alors, case 1. Rat et les animaux moches. Avec le petit chaperon rouge. Qui c'est qui note? Ça va être long, s'il a courage. Rat et les animaux moches et le petit chaperon rouge. C'est ça, Lisounet. En case 2, le jardin secret, tome 1, et Arcana, tome 1. Le jardin secret, tome 1, et Arcana, tome 1. En case 3, Lightfall, tome 1, et Bestiarius, tome 1. Ah bah t'es la Ruby, parfait. Bisous Sandrine. Est-ce qu'on est bon Scylla? Magnifique, quelle rapidité. Je vais ajouter carte 14 Sakura tome 5 dans la case 3. Trois. Bifurque, bifurque. Trop à droite. Scylla! C'est dans la case 3. Et je t'ajoute dans la case 2 d'ambre et de feu. En case 4, je te mets Frankenstein, la BD super belle là. C'est ça, vrai, vrai. Avec la courtisane d'Edo. Et l'atelier des sorciers, tome 9. Qu'est-ce qu'il a pris? Est-ce que c'est good, Scylla? C'est bon. Du coup, j'ajoute en case 1. Le roman de Renard, tome 1, en BD. Yuri. Non, ils sont pas aussi littéral. Et je vais ajouter en case 2, Les enfants de la baleine, tome 9. Et je vais ajouter en case 3, Les fées, avec Sébastien Pérez qui a écrit. C'est good pour Ruby. Ah, Théo. Emma Loart, coucou Thibou, ça fait longtemps que je n'ai pas demandé de devoir, les derniers datent de plusieurs mois. J'en ai lu une partie, je ne sais plus lesquelles, mais du coup, j'aurais repartir de zéro pour cette année 2023. Alors, ça date de quand? Parce que apparemment, il t'en reste une chier, en fait. Donc, apparemment, on lui annule tout. Ça, honnêtement, ça va dépendre de quand est-ce que tu as demandé la dernière fois, parce que si c'était la semaine dernière... Ah oui, non, septembre, oui, ok. Ben, on annule tout, du coup. Les modos. Il faut remonter et tout lui annuler de ses anciens devoirs. Parce qu'il y a eu juin et il y a eu septembre. Donc on repart de zéro. Hop. Hop là. Emma Loart. Voyons, voyons, ma poulette. Encore envie de faire pipi. Pourtant, j'ai pas tant bu que ça. Ah, si, quand même. Oh! En case 1, je te mets l'ascension de Camelot. En case 2, le château de Hurle, tome 1. En case 3, mémoire de la forêt. Et en case 4, renouveau. Tu lui remets pas mal de choses qui étaient dans les anciens devoirs. Bah pas grave. Tant que c'est en pile à lire, faut les lire. Donc, c'est pas après. Si, tant que c'est là, moi je les mets. Hein. J'ajoute en case 1, Bug Boys et Cute Mutants. En même temps, en vrai, en roman, il n'y en a pas 50, hein. Bug Boys et Cute Mutant.
Tiffen. Tiffen et Théo. Vous me faites trop rire. En case 2, je te mets. L'étrange Noël de Monsieur Jack, tome 1, et l'homme sous pilule. En case 3, je te mets le cercle du dragon T et le garçon sorcière, tome 1. Et en case 4, je te mets le renard et le petit tanuki, tome 2 et le roi cerf, tome 1. Je vais retourner faire pipi parce que j'en peux plus. Je reviens. Hop. Heureux! J'en ai profité pour me rechercher de l'eau. Hop! Hop. À quel moment. Ah, Wattel, attends. C'était plus haut, je crois. Ouais, le cercle du dragon T. T comme la boisson qui a failli. Ah non, c'était une infusion. J'allais dire qui a failli étouffer Lysandre. C'est ça, Lisonnet. J'ai beaucoup de flotte aussi, hein. Ah, on est bon. Du coup, Emma Loart, c'est good. Wendy Bookin. Allons-y. Hop. Et tu rebois. Bah ouais, en même temps, je parle. Salut Domel. J'ai un sacré rythme, hein. Mine de rien. J'ai encore envie d'être une élue. Ah, ça c'est bien. Très bien. Alors, case 1, on met sorcière et carnet de l'apothicaire, tome 10. Ben, c'est surtout que je parle beaucoup. Je pense que là, en vrai, même sans être malade, j'aurais pas bu plus, hein. Enfin, moi. Parfait. Voyons voir. Oh, on va mettre un petit livre de cul pour bien commencer le mois. Bodyguards, tome 2. Ah oh bah oui, tu m'étonnes, Vic. Je commence à plus avoir de bronches, c'est ça. Prends. Non, Bodyguard Zone 2, par contre, dans la case 1. Excuse-moi, c'était pas clair, Scylla. Dans la case 2, je te mets Inheritance Game, tome 2. C'est pas faux. Ouais, je vais bien dormir cette nuit, hein. Avec le Pays des Contes, tome 6. Qui c'est qui voulait de ouf passer tout à l'heure et qui était pas sûr? C'est possible, Vic. Non, demain, faut que je tourne. Donc, je peux pas perdre ma voix. Hein. En case 3, Never Never, tome 3. Ah, c'était Lilith. Toujours un peu loin.
Never, never. C'est quoi cette lasagne? Avec Phobos, on BD tome 2. Ah, peut-être Aurore, ouais. Ancas 4, Twilight tome 4. Avec Vampiria Inquisition tome 1. Oh là là. Scylla, elle m'ajoute des lettres, c'est fou. Pas Phébos, Phobos. Vampiria Inquisition tome 1 avec Twilight tome 4. Merci caractère pour ton raid. C'est un raid de soutien, on arrive au bout. Enfin, on arrive au bout que dalle, mais. On avance! On donne des devoirs. Enfin, je donne des devoirs de lecture à des gens qui me demandent de l'assistance pour savoir quoi lire par la suite. Et c'est un travail de longue haleine. Merci pour le follow, Gruntor. Bienvenue à toi. Vous faisiez quoi de beau? On avance. On recule pas, au moins, c'est déjà ça. Eliotti! Eliotmi. Il y a 3 heures. À 16h12. Mais non, c'est pas possible. Il y a 3 heures. Ah non, mais ça prend tout. Oui, dans les 3 heures précédentes. Oui, non, c'est pas ça. Non. Ça fait un moment quand même, là. C'était du mandala ce soir. Oh, sympa! C'est pas grave, Tiffen. C'est la solitude. Coucou Thibault, le livre en cours n'est pas pour moi mais une amie, donc il compte pas dans mes lectures du moment. J'ai toujours du mal à lire, un peu pleine de blessures, plus le black, mais plus le bac, pas le black. J'ai envie de lire, donc je te fais confiance. Je suis pas en train de dire qu'il bosse pas déclaré, hein. Pas de gros pavés, épargne-moi, quoique tu peux mettre un ou deux pavés, car il y en a qui m'attirent un peu. Je m'en doutais, je m'en doutais. Maintenant, faut que je tombe sur les bons, quoi. Alors. Oh, un truc intéressant. Case 1, je te mets Endless, parce que je trouve ça rigolo de commencer par un livre où il y a marqué End dedans. Et ne suis-je pas une femme? Je bourrine pas trop, c'est un essai. Les essais, vous savez, on lit à son rythme, c'est pas forcément tout d'affilée, hein. Case 2, la passeuse de mots. J'ai plus d'eau. Kim est encore devant son film, c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas venu me chercher. Avec la vie est fin cils, ne t'inquiète pas. En case 2, pardon, voit-elle. C'est une BD. C'est gras. En case 3, je te mets la vie invisible d'Addy Larue. Non, c'est automne ça. Et en case 4, le peuple de l'air tome 3. J'ai été très respectueuse de ta demande, Eliotti, je n'ai pas mis de pavé. En tout cas, j'ai mis un livre par case. Hein? À part là où il y a un essai, mais ça compte pas. Donc, ça va. Petite plume. Devoir terminer pour petite plume. Quelle bonne élève. T'as raison, Aurore. Alors, petite plume. Case 1, Anne tome 2. Case 2, Blackwater tome 1 avec A Forgery of Roses. Ah ouais, poudre d'étoile? Ah bah j'en suis bien contente en tout cas. Blackwater tome 1 et A Forgery of Roses. En case 3, la chasseuse et l'alchimiste avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Le titre à rallonge, c'est exprès pour toi, c'est là, vraiment, c'est. À chaque fois. Ah bah, Vic, tu peux, c'est une victoire, hein. La chasseuse et l'alchimiste et l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Je veux bien un retour sur la chasseuse et l'alchimiste. J'hésite à me le prendre. Je pense que je vais me le prendre, mais. C'est vraiment sympa, Lilith, mais faut être. Enfin, c'est surtout sympa à partir du tome 3. À tome 3, c'est vraiment stylé. Et en case 4, on va aller au bout pour voir. Ah, il y a celui-là qu'il faudrait que tu lises. Ok, j'ai. En case 4, je te mets Les Saisons de la Tempête, tome 2. Avec Toilet Bound, tome 1 et 2. Ah, oh, bah oui, Vic, avec plaisir!
Ah, attends, 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 pardon, excuse-moi. Toilet Boom, tome 1 et 2, tu les mets en case 1, s'il te plaît. Désolée. Épiphanie. Et en case 3, tu me mets Toilet Boom, tome 3 et 4. Bisous, Ruby! Et à la place, et du coup en case 4, tu me mets Shy, tome 6 et 7. Vous remarquerez que jusqu'au bout, je reste très professionnelle. Hein. Je bâcle le pain parce que je suis fatiguée. Ah non! Je m'investis. Alors, l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, techniquement, tu le lis un peu quand tu veux. C'est genre plein de petites phrases jolies, donc c'est pas un roman. Poudre d'étoiles! Top, son pseudo Poupoudre. J'avais oublié ce pseudo de qualité. J'arrive! Ah, toujours. Ah, bah oui. Je suis là pour Anne tome 2, je l'ai pas chez moi, du coup tu peux me l'échanger. Tu as Anne tome 1 ou pas? Un pseudo de qualité. Ah, bah de ouf. C'était quoi ton pseudo Kizokulumi? Kikulumi, pour que je rajoute un zo. C'était Petite Plume? Attends, je m'occupe de Poupoudre en attendant. Une sélection soft. Ah, j'aime bien. Si tu me mets deux romans par page, j'aimerais bien que ça n'excède pas 1000 pages. Et mange le titre. Du corps de porc. Bon, oui, c'est les chachous. Bon, oui, ça rentre, ça. Ça rentre, ça rentre. Bah oui. Est-ce qu'elle mange le titre? Oui. Ben, c'est vrai. Ah bon, bon bah je finis Poupoudre. Quoi? Je finis Poupoudre. Pourquoi? Poupoudre, c'est son pseudo. Emmène-moi ces monstres. Du coup, attends, la mise avant. Oui, je l'ai déjà lu. Oui, ok. Ah, mais tu n'as pas le tome 2 avec toi. Ok, alors attends, je rectifie Petite Plume. Petite plume. Je finis Poupoudre. Attends, petite plume, t'inquiète, je vais trouver autre chose. Bah, à la place, je te mets Absolu tome 1, voilà. À la place de Anne. T'inquiète, Renatchan, attends, attends. Je vais t'inquiète. Voilà, à la place de Anne tome 2, Absolu tome 1. En plus, tout le monde dit qu'il est génial, donc comme ça. Alors, Poupoudre. Donc, pas plus de 1000 pages. J'ai Phèdre donc Shell. Hein. Ok. Alors, case 1. Oh, Amandine Malabule! Je connaissais ça. Bah, case 1, je te mets Amandine Malabule, tome 3, avec A Forgery of Roses. Et en case 3, je te mets Amandine Malabule, tome 4. Paniquez pas, paniquez pas. Ah, il y avait Anne! Ah, mais attends, si, si, elle est ça, Anne, elle. Ah putain, c'est long. Allez, Wettel, courage! Tenez le bon, les filles! Tenez bon! Oh, pauvre Lilith! Ah, vous me brisez le cœur! Lilith, elle attend depuis tout à l'heure. Bah oui, mais en même temps. En case 2, Anne tome 4. Avec Arsène Lupin Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. En 2 aussi. En case 4, Blackwater tome 4. Non, pardon, en case 3. En case 3, excuse-moi, Wattel. En case 3 avec Amandine Malabule, Blackwater tome 4. Très bien ça. Et en case 4, L'année de grâce. Donc ça a dit qu'elle n'avait pas. Avec Vampiria tome 1. Très bien. Je sais pas si là. Ok, on est bon pour toi. Renatchan, premier devoir, reprise de lecture après longtemps, alors pas trop de livres si possible. Ça marche. Lorena Chan.
J'essaie de faire ceux qui sont encore là. Oui, n'hésite pas à m'envoyer une demande d'amis. Oh, sympa ça. En case 1, Assassination Classroom, tome 1 et 2. Faut aller vite par contre, je suis désolée, là je vais parler vite. Hein. À la limite, Lise, si tu peux finir. En case 2, Betty, tome 1 et 2. En case 3, Crystal Girls, tome 1 et 2. Là, j'ai pas le temps, Diana, je suis en phase rush, mais quelqu'un va t'expliquer dans le chat, t'inquiète. Je compte sur vous. En case 4, L, avec un S, tome 1 et 2. En case 1, je mets les filles au chocolat, tome 1. Il y a pas mal de mangas. Il y a pas mal de mangas de partout. En case 2, je te mets Nitschka, actrice de rêve, tome 1 et 2. Nijika, N-I-J-I-K-A, Nijika, c'était pas clair. En case 3, je te mets Nevermore, tome 1. En case 4, je te mets My Hero Academia, tome 1 et 2. Comme ça, ça te fait que des livres assez cool et assez courts. Ça te ferait une bonne reprise, Lorena Chan. Qui c'est qui était là encore? Miss. Ok. Elle est où, Miss Z? Elle est pas notée? Ah si, c'est Yo-Yo? Yo-Yo 213, c'est elle? Ouais. Kim va clairement revenir. Je vais passer. Alors, j'essaie de rusher, hein, mais on va essayer d'être efficace quand même. Case 1, et ils meurent tous les deux à la fin. Avec Beyond the Clouds, tome 1, et Blissful Land, tome 1. Et ils meurent tous les deux à la fin. Blissful Land, tome 1, Beyond the Clouds, tome 1. Case 2, Gods of Men, avec GTO, tome 1 et 2. Gods of Men, avec GTO, tome 1 et 2. Dans la case 4, GTO, tome 3 et 4. Dans la case 3, Isabella Birds, tome 5 et 6. Ah, il y a loupé case 1, pardon. Blissful Land, dans la case 1. Et GTO, tome 3 et 4, c'est dans la case 4, Lizounet. Shoshana. Non, je complète aussi. Hop. Parfait. Dans la case 3, la maison au milieu de la mer Céruléenne. Le titre en plus est éternel, quoi. Dans la case 4, la vie invisible d'Adi Larue. Et sans regret pour les autres. Même si j'aurais aimé, mais... Ça va faire trop. Là, du coup, il y a un roman et deux mangas partout. C'est au top. Tiffen. Hop. Il va revenir, c'est sûr, il va revenir. Mais c'est pas ma faute si je mets les titres les plus longs. Pourquoi je la trouve pas, Tiffen? Non, c'est pas le moment, Tiffen. Tiffen, c'est pas le moment, je te trouve pas. Pourquoi je la trouve pas? Tiffen, je l'ai pas.
comme lisant. Je l'ai pas! C'est ça en plus. Mais non! T'es pas dedans? Y'a un truc qui va pas. T'es. Elle y est pourtant, je l'ai pas. Il me faut son URL. Enlève le cœur. Tifa. 38. Ah, c'est bon. J'étais. Ok. Case 1. Harry Potter, tome 1. Case 3, Harry Potter, tome 2. Lilith. J'ajoute dans la case 1, le petit prince. Dans la case 2, Marie-Antoinette avec Moriarty, tome 1 et 2. Désolée, Lisandre, je suis désolée, je te sollicite de ouf. Marie-Antoinette avec Moriarty, tome 1 et 2. Dans la case 4, Otaku Otaku, tome 1 et 2, avec Stranger Things, Suspicious Minds. Otaku Otaku, tome 1 et 2, Stranger Things, Suspicious Minds. Et je t'ajoute le Quidditch à travers... Ouais, non, autant que t'es fini les Harry Potter avant de lire les trucs exprès. Je t'ajoute le procès avec... dans la case 4, le procès de Kafka. Enfin, le procès tout seul, hein. C'est bon, Tiffen. Misty. Hop. Misty Tati. Premier devoir. Hop. C'est clair-ci, là. 252 252 litres. Misty, tu te fous de ma gueule. Ok, on va y aller. Misty, case 1. Akira, tome 1 et 2. Case 3, Akira, tome 3 et 4. Ça va aller. Case 2, Beyond the Clouds, tome 1 et 2. Case 4, Beyond the Clouds, tome 3 et 4. Case 1. Sakura, tome 4 et 5. Je vais te faire c'était saga. Hein. Case 3, Sakura, tome 6 et 7. Oh, Chobit, c'était trop bien ça. Case 2, je te mets Akotar, tome 2. Attends, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas le tome 1. Akotar tome 2, c'est ça. Case 4, Sorcery of Thorns. Et en vrai, je vais quand même t'ajouter un dernier petit truc parce que j'ai la perfection dans le sang. Case 2, je te mets... Non, si, non. Case 1, je te mets Toilet Bound tome 1 et 2. Case 1, je te mets Toilet Boon, tome 1 et 2. Case 4, Toilet Boon, tome 3 et 4. Case 3, pardon. Case 3. Case 3, Toilet Boon, tome 3 et 4. Là où il n'y a pas de roman, en fait. À gauche, bisouné, bifurque. Case 3. Nickel. C'est good. Lilith, Arwen, je sais pas si t'es encore là. Lilith, elle attend depuis tout à l'heure. Lisaba. Hop. Je sais pas si Arwen est encore là. Si t'es encore là, merde. J'espérais que tu sois partie. Vas-y, je fais Lilith d'abord. Ok. Allons-y. Lisounet, courage. Lâche rien. Alors, case 1, oh, très bon choix. Case 1, Wicked... Alors, c'était premier devoir, on va pas y aller trop fort. Case 1, Wicked Deep. Enfin, la malédiction des Swan Sisters. Avec Nana, tome 1 et 2.
Case 2, Promise Neverland, tome 1 et 2. Avec Boo, B-O-O. Boo, B-O-O. Case 3, Thorn Grove. T-H-O-R-N-G-R-O-V-E. Merci pour le follow, marionnette. Et en case 4, je vais être romantique. Je m'attendais à tout sauf à nous. Avec la fabrique de poupées parce qu'il a l'air sympa. Un petit bonus. C'est bon pour toi. Arwen. Oh, stylé en plus. Un jour pour les hauts de Hurlevent. Hop. Alors, donc Miss 10, c'est bon. Hop là. Arwen. Merci pour follow-up. Sila. En fait, le plat il mijote depuis 14h, donc je pense qu'il n'a pas servi. Hein. Ça marche, ok. D'accord. Donc il faut un livre sur l'éducation. Ah oui. Ok, case 2, Blackwater tome 3 et Banana Fish tome 3. Case 1, du coup, je te mets Roméo et Juliette, que tu as dit d'avoir dans une très belle édition, avec La Sorcière aux Champignons, tome 2. En case 3, je te mets La Cause des Enfants. Et en case 4, Les Trois Mousquetaires. T'as un truc sur l'éducation, t'as le beau Roméo et Juliette. Et on s'arrête là, il m'en reste 3. Les 3 datent pas du début, j'ai pas de scrupules, j'avoue. En plus, vous êtes 3 nouveaux, je vous demande pardon, mais là vraiment, j'abuse de ouf, je vous rends vos poucas. Mais je vais pas pouvoir vous traiter là, déjà. Vraiment, on a rushé de bâtard, j'aurais dû m'arrêter il y a une demi-heure. Et on a fait 3 heures de stream. On se stoppe là, on est à combien d'élèves? Attends, 1525, 1480, 40, 46 élèves, 46 élèves, putain Lisandre, tous les modos, bravo de ouf, je suis désolée pour les 3, vraiment, c'est juste que je peux pas, là je suis déjà en rush de ouf parce que Kim ça fait une demi-heure il m'a appelé donc c'est abusé, ne vous inquiétez pas, vous pourrez demander samedi prochain, il n'y a pas de souci. Oh la vache, on a géré de dingue. Je vous fais 1000 bisous, on se retrouve demain du coup pour le prochain stream. Pas, ce sera sympa des devoirs, hein. Ce serait plus repos du coup clairement. 1000 bisous, bravo pour vos implications, bravo pour toutes vos lectures, bravo pour toute votre curiosité. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'oubliez pas de faire vos retours sur le serveur Discord quand vous avez lu un bouquin, de partager vos avancées. Merci Misty Tati pour ton resub. Et j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous allez penser de tout ça, de toutes vos lectures, de toutes vos avancées. Plein de bisous et je vais aller me taire et manger. Bisous, bonne nuit. Et encore merci à tous et vive les modos.